Alléluia. My. Oh my. Jean 14. Alléluia. My. John 14. Oh my. Jean 14. John 14. Alléluia. Praise the Lord. My. C'est comme si j'ai envie de courir. Alléluia. I feel like running. Oh my. Yes. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Lord. Praise the Lord. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glory be given to our God. Louange à notre roi. Praise to our King. Honneur à toi, Jésus. Glory to you, Jesus. Le puissant vainqueur. The mighty winner. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Thank you, Lord. Je me sens bien. I'm feeling well. Je me sens très bien. I'm feeling so well. Praise the Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour le réveil. Thank you for the revival. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Pour ta présence. For your presence. Merci pour ton onction. Thank you for your anointing. Merci pour le réveil. Thank you for the revival. Merci Père. Thank you, Father. Parce que tu nous as aimés, Seigneur. Because you've loved us, Lord. Merci parce que tu nous as aimés, Seigneur. Thank you because you called us, Lord. Merci pour ce soir. Thank you for tonight. Nous te disons merci. Tell you thank you. Parce que tu es venu nous visiter. Because you came to pray for us. Sois simplement élevé. You just lift. Aide-moi maintenant, Seigneur. Help us, Lord. Pour que je puisse dire quelque chose. So I can say something. Non, pour que je m'écarte du chemin. So I can stay on the afin side. Que toi tu dises quelque so chose. So you can say something. Pour aider ton peuple ce soir. For the people tonight. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Help us, Lord, by your grace. Au nom de Jésus. In Jesus Christ's name. Donne-nous maintenant l'onction de la prédication. Give us the anointing of the preaching. Au nom de Jésus Christ. In Jesus Christ's name. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Jean 14. John 14. Verset 15. Verse 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you love me, keep my commandments. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point, et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Even the spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. I will not leave you comfortless, I will come to you. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Yet a little while and the world seeth me no more, but ye see me because I live, ye shall live as also. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. At that day, ye shall know that I am in my Father and ye in me and I in you. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself in him. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Add the blessing to the going of his word in the name of Jesus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Je voulais parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. I want to talk upon what is the Holy Spirit. Alors, aidez-moi pour que je prêche. Help me so I can preach. Mais pour que j'enseigne. Oh, so I can teach actually. Ne m'aidez pas pour prêcher. Don't help me to preach. Je vais parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. I'm going to talk upon what is the Holy Spirit? Parce que vous ne pouvez pas recevoir quelque chose que vous ne connaissez pas. Because you cannot receive something that you don't even know anything about. Avant que vous le receviez, before you receive him, vous devez savoir si c'est quoi. You have to know what it is. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits. Because there are many kinds of spirits. Et les gens reçoivent plusieurs esprits. And people receive several spirits. Mais nous ne voulons pas d'autres esprits. We don't want any other spirit. Nous voulons un seul esprit. We want only one spirit. Et cet esprit on dit que c'est saint. That spirit that says holy. C'est pourquoi on l'appelle saint. That's why it's called Holy Spirit. Alors on doit savoir c'est quoi we cet esprit. We have to know what is that spirit.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? Que quand ça viendra, so what is going to come in you? Quand quelqu'un te verra devenir bizarre, when somebody will see you becoming oddball, quand il te demandera, mais qu'est-ce qui t'arrive? He'll ask you what's going on with que you. Que tu puisses avoir une réponse so à lui donner. Que j'ai reçu le Saint-Esprit. They have received the Holy Spirit. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? But what is the Holy Spirit? C'est ce que tu vois en moi. Is what you see in me. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? Praise the Lord. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? Ça c'est très important, mes bien-aimés. That's very important, my beloved one. Frère Branham a dit. Brother Branham said. Cette réunion sera une réunion un peu différente. This meeting is going to be a quite different meeting. De ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Compared to what we used to have here. Pourquoi, Frère Branham? Why, Brother Branham? Parce que. Because. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici. Almost any time that we gave here. C'est une réunion pour la guérison des malades. It is a meeting for the divine healing. Pour les besoins physiques. For the physical needs. Nous prions pour la guérison. We pray for the healing. Nous chassons les démons de maladie. We cast away the demons of sickness. Nous chassons les problèmes. We cast away the problems. Nous essayons de prier Dieu. We try to pray God. Pour que Dieu arrange la vie de ses enfants. His life, the life of his children. Je parle de la vie physique. I'm talking about the physical life. Frère Branham a dit. Brother Branham said. Mais ce soir. But tonight. Nous avons commencé ce réveil. We have started this revival. Pour la guérison de l'âme. For the healing of the soul. Pour la guérison de l'esprit de l'homme. Healing of the spirit of the soul. Ça veut dire que ce soir. That means tonight. Je ne parle pas de tes migraines. I am not talking about your migraines. Je ne parle pas de ton estomac. I am not talking about your stomach. Je ne parle pas de ton dos. I am not talking about your back. Je parle à ton âme. I am talking to your soul. Alors, ouvre bien les oreilles de ton âme. Open up the ears of your soul. Parce que tu dois écouter ça. Because you have to listen to this. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? J'étais paragraphe premier. I was in the first paragraph. Paragraphe 2. Paragraph 2 now. Frère Branham dit. Brother Branham says. Vous savez que quelqu'un peut être guéri d'une maladie. You know that somebody can be healed from a sickness. Et ça nous rend tous heureux. And we are all happy about it. Parce que cela nous montre. Because that showing us. D'une façon certaine. On a certain way. Que notre Dieu guérit les malades. That our God heals the sick. Mais. But cette personne malade, that sick person, s'il vit assez longtemps, if he lives long enough, il se peut qu'il soit encore malade. He might be sick again. Peut-être de cette même maladie. Maybe that very sickness, dont ils ont été guéris, that he was healed before. Et ça, and then, ça n'enlève pas la guérison. Does not remove the healing. Le médecin va donner un médicament. The doctors will give a medicine contre la pneumonie. Against the pneumonia. Et il se peut que deux jours plus tard, and it might be 2 days later. Il meurt d'une pneumonie. He dies of a pneumonia. Malgré que la science, despite the science, a déclaré que la personne a été guérie. And declared that the person recovered. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Écoutez ce que le prophète dit. Listen what the prophet says. Mais quand cette âme là est guérie, but when that soul is healed, quand ton âme est guérie, when your soul is healed, alors, then, vous avez la vie éternelle. You have eternal life. Vous ne mourrez plus. You will never die. Quand ton âme est guérie, when your soul is healed, l'âme n'est pas guérie deux fois. The soul, hallelujah, the soul is not healed twice. Non, monsieur. No, sir. L'âme d'une personne, the soul of a person, elle est guérie une seule fois. Is healed only once. Si Dieu te guérit aujourd'hui, if God heals you today, cela règle la question. That set the question. Jusqu'à l'enlèvement. Until the rapture. Je peux entendre un amen. Dieu ne sauve pas deux fois. God saved twice. Dieu sauve une seule fois. God saves only once. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui. Save you today. Pour te perdre demain. You tomorrow. Te sauver encore. Save your game. Te perdre encore. And lose your game. Ça sera la folie. That's gonna be foolishness. Dieu. God, il sauve une seule fois. He saves only once. Et ce soir, and tonight, c'est pour la guérison de ton âme. It is for the healing of your soul. C'est pour toi. It is for you, yes. That's mon bien-aimé frère et soeur. My dear brothers and sisters. Il est plus tard que vous ne pensez. It is later than you think. Le Seigneur Jésus retourne bientôt. The Lord Jesus Christ is coming back soon. Il est sur le point d'arriver. He is about to come. Tu n'as pas besoin de manquer la rapture. You don't need to miss the rapture. Après tous les efforts que tu as fait. After all the effort that you've put forth. Non, tu n'as pas besoin. No, you cannot miss it. Tu as besoin d'aller à l'enlèvement. You need to go in the rapture. Regarde combien les gens se sont moqués de toi. How much people have mocked you. Ils ont dit que tu as sauté. They said that you've skipped. You don't put the pants of women. Tu ne maquilles pas. You don't wear makeup. Tu ne vis pas comme les autres. You don't live like the other girls. Tu vas perdre ça à la dernière minute. And you're gonna miss it at the last minute.
No, sir. Soyez disposés. Be available. Que le Saint-Esprit entre en toi. Let the Holy Spirit get into que you. Que le Saint-Esprit te change. Let the Holy Spirit change you. Yes, I'm ready. Et c'est quelqu'un avec moi. Is somebody with me? Et Frère Léon m'a dit. Brother Léon say. Que chaque église doit avoir une doctrine. Each church has to have a doctrine. Si vous êtes une église, if you are called a church, vous devez avoir une doctrine. You have to have a doctrine. Une principe que vous allez soutenir. The principle that you're going to back up. Et nous dans cette église, as in this church, nous soutenons le baptême du Saint-Esprit. We're backing up the baptism of the Holy Spirit. Pourquoi? Why? Parce que le baptême du Saint-Esprit, the baptism of the Holy Spirit, c'est la colonne vertébrale d'une église. It's the spinal cord of a church. C'est le sang dans les veines de l'église. That's the blood in the vein of the church. C'est le souffle dans les poumons de l'église. Set to breathe in the lives of a church. Si le Saint-Esprit n'est pas là, if the Holy Spirit is not there, that becomes an ONG. It becomes an NGO. Une organisation quelconque. Some kind of organization. Parce que Dieu n'est pas là. Because God is not there. Mais le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est ce qui donne la vie. That what gives the life. C'est ce qui corrige. That what corrects. Yes. C'est ce qui donne la force. That what gives us strength. Yes. C'est ce qui donne la révélation. That what gives the revelation. Yes. C'est ce qui donne l'envie d'aller à l'église tous les jours. Why the test to come to church every day? C'est quand le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is there. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, there's no Holy Spirit. Est-ce que vous serez ici ce soir? Are you going to come tonight? No. Mais c'est le Saint-Esprit. It's Holy Spirit. Qui les a attirés de loin. That drew them from far. Pour acheter le billet. To buy the ticket. Pour acheter le billet ici. Buy the ticket. Pour venir jusque là. To come here. Ce n'est pas ma personne. It's not the person. Not the person. Ce n'est pas toi. It's not you. No. Non, monsieur. No, sir. Mais c'est cet homme. That is. Hallelujah. That's the man. Hallelujah. C'est cet homme. That's the man. Ce n'est pas moi. It is not me. Je n'ai pas de beauté pour les attirer. I don't have any beauty to draw them. On n'a pas de moyens pour les attirer. Not the means to attract them. Mais qu'est-ce qui les a attirés jusque là? What has attracted them here? C'est cet homme. That's the man. Me dit que si cet homme n'est pas dans une église, that means that man is not in a church. Ça ne sert même pas d'aller dans cette église là. So it's worthless to go in that church. So in Alobua, tapis Alobak. When I talk, people say I'm talking. Il faut n'a le bas pour aller au cas. Je vous dis vrai. Telling you the truth. La chose qui avait fait les apôtres. The thing that made the apostles. Ce n'est pas la prédication des apôtres. It's not the preaching that said. No. Non. Non. No. Ce n'est pas au Pierre à prêcher ceci. It is not Peter preached that. No. La chose qui avait attiré the les gens. C'était les actes des apôtres. Yes, were the acts of the apostles. Yes. Ce n'était pas des explications. It was not the explanation. So, say, quand Pierre était en train de prêcher. When Peter was preaching. Le diable était parti à Malibu. The devil went to Malibu. Il était tranquille. He was at peace. Parce qu'il savait. Because he knew. Et avec des Branham a dit. Il peut se glisser. He can sleep in there. Et il peut mettre des confusions. He can put confusion. Il peut mettre des troubles. He can put troubles. Mais quand Pierre. But when Peter. Et Jean. And John. Sont allés devant la porte. Yes, they went before them to get caught up here. Ils ont vu ces paralysés. They saw that cripple. Il a dit donnez-moi l'argent. Give me the silver. Pierre a dit. Say, Peter. Vous aurez l'argent. Silver and gold. Je n'en ai pas. I don't have. Mais c'est que je. What I have. Je te le donne. I give it to you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Lève-toi. Stand. Marche. Walk. William Branham a dit, Peter Branham say, l'affaire a tremblé. Hell is trampled. Le diable, the devil, l'a mobilisé. Oh, he called up tous ses ambassadeurs. All his ambassadors. Allez, suivez-moi, Pierre. Follow me, Peter. Allez, tu es Pierre. Go kill Peter. That's right. Pourquoi? Why? À cause des actes. Because of the acts. Et frère Branham a dit, Peter Branham say, ce n'était pas les actes des apôtres. Alléluia. It was not. C'était les actes du Saint-Esprit. Et il les faisait. He was doing it through the apostles. Yes, sir. Qu'est-ce qui a amené les visiteurs ici ce soir? The guests here tonight. Ce ne sont pas les actes d'attaque. It is not the acts of the Ce ne sont pas tes actes. It is not your acts. Mais les actes du Saint-Esprit. But the acts of the Holy Spirit. Agissant à Charlotte. Working in Charlotte. Sans le réveil, without the revival, vous êtes morts. You are dead. Yes. C'est vrai. C'est la vérité. Sans le réveil, without the revival, ce n'est pas une église. Yes, not a church. Non,
monsieur. Non, sir. C'est un parti politique. Ah, that's a political party. Et ce pasteur-là, and those pastors, qui ne cherche pas le réveil, they're not looking for the réveil. Il est complice. He is a complice. Yes, he is. Oui, monsieur. Il est suspect. Monsieur, he is suspicious. Je vous dis vrai. I'm telling you the truth. Un vrai serviteur de Dieu. The true servant of God. Oh, no. Il doit chercher Dieu. He has to seek God. Il doit marcher avec Dieu. My yes to walk with God. Il doit être avec Dieu. My yes to be with God. Il sait que Dieu est à ma droite. He knows that God is on my right. Il ne touche jamais le point. Il sait que Dieu est là. He knows that God is there. Hallelujah. My. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Praise the Lord. Vous vous sentez bien. So I'm praying. Hallelujah. Je vais enseigner aujourd'hui. I'm going to teach you. Hallelujah. Aujourd'hui c'est l'enseignement. Oh, today is the teaching. C'est pas une prédication. And it's not the preaching. Mais je vous dis. But I'm telling you. Le Saint-Esprit est très important. The Holy Spirit is very important. Très important. So important, yes. Manquez l'argent. Don't have money, man. Manquez le mariage. Oh, not the marriage. Manquez les enfants. Not even the children. Manquez le travail. Not even the job. Manquez les voitures. Not even the cars. Manquez les maisons. Not the houses. Mais ne manquez pas le Saint-Esprit. Don't you miss the Holy Spirit. C'est votre chemin du ciel. That's the way to heaven. Yes, we must. Yes. That's all I need. C'est votre adresse pour l'éternité. That's your address for eternity. C'est ça ton visa. That's your visa. C'est ça ton ticket. That's your ticket. Pour un voyage dont tu ne connais pas où est-ce que tu es. For a trip you don't know where you're going to. Mais tu dois avoir ça. But you have to have it. Yes, yes. Tu n'en auras pas sur le chemin. You won't get it on the way. Il n'y a pas des ambassades entre ici et là-bas. So you don't have embassies from here to there. C'est ici que tu dois avoir ce visa. Here you have to receive that visa. C'est l'exacte vérité. My. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Are you with me, people of God? Pour que ces réunions puissent réussir, for these meetings to succeed, vous devez vous consacrer. You have to consecrate yourselves. Vous devez avoir un temps de la prière. You have to have some time in the prayer. Frère dit ici, brother Ram says here, que lui, that him, et sa femme, and his wife, il a dit après minuit, he says after midnight, mon épouse et moi, my wife and I. Après rester debout plus tard que d'habitude. We stayed up later than usual. À prier et à parler au Seigneur. Praying and talking to the Lord. À côté de l'autre du petit tabouret dans notre salon. Close to that little stool in our living room. Avec nos deux Bibles ouvertes. With our two Bibles open. Nous nous sommes reconsacrés à Dieu. We dedicated ourselves to God. Pour un service total. For a complete service. Pour abandonner nos volontés propres. To surrender our own will et toute autre chose and anything else et chaque pensée négative and each negative thought yes yes et pour servir le Seigneur and to serve the Lord. Ah, j'aime ça. Si tu veux être béni if you are to be blessed pendant ce moment ici during this time tu dois te consacrer you have to consecrate yourself en levant toute la pensée négative remove any negative thoughts yes toute autre chose de toi anything else of you non enlève ça remove it yes yes et abandonne toi à Dieu surrender yourself to God comme Dieu nous a parlé ici le dimanche chaque après 3 heures each after 3 hours Seigneur je m'abandonne Lord I surrender Seigneur je me soumets à toi Lord I submit myself to you je vous dis vrai I'm telling you the truth qu'est-ce que le Saint-Esprit what is Holy Spirit nous entrons maintenant. Now we're stepping into it. Là, c'était les préliminaires. These were the preliminaries. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est Christ en vous. It is Christ in you. C'est Dieu en toi. It is God in you. Dis à haute voix, c'est Dieu en moi. Say aloud, God in me. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est Dieu. It is God. Elohim. Elohim, le créateur, the creator, le Dieu qui existe par lui-même, the self-existing God, le puissant vainqueur, the mighty winner, le Kajomona, the digger, il vient entrer en toi. He comes step into you. Et il commence à vivre sa vie en toi. And he starts living his life in you. Et Paul a dit, and Paul says, ce n'est plus moi qui vis. It's not me living mais anymore. C'est lui qui vit en moi. But it's him living in me. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is Holy Spirit? C'est le Dieu créateur. It is the God creator. Qui vient entrer dans sa créature. That comes step into his creation. Et il vit sa vie en toi. And he lives his life in you. Yes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Can I hear your amen? I say amen. Jésus. Jesus.
était simplement un corps comme toi et moi. Was just a body like you and I. Un temple. A temple. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, I am. Frère Nama dit, Brother one say, Jésus avait un commencement. Jesus had a beginning. Et il avait aussi une fin. And he had an end. Alléluia. Alléluia. Vous croyez à ça? Bible, yes, yes. Jésus n'était pas différent de toi. Jesus wasn't different from you. No. Parce qu'il était 100% homme. Because he was 100% a man. Yes, he was. Et yes. Il était aussi tenté comme nous tous. But he was also tempted like all. Mais c'est parce qu'il était un homme. Because he was a man. Frère Benoît dit. Brother Benoît say. Dans cette femme là. Where's that woman? Yes. Et il y a sept démons de publicité. Having seven demons of. Quand il avait touché les pieds de Jésus. When he touched his feet. Le prophète a dit. Prophet say. C'est l'épreuve la plus difficile. That was the most difficult trial. C'est Jésus avait eu de sa vie. That Jesus had in his life. Yes. 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 Sir. Yes. Yes. Vous dites amen à ça. He said, and I say, man. Jésus. Jesus. C'était simplement un tabernacle. Was just a tabernacle. Mais attention. But be careful. Pas un tabernacle comme tous les tabernacles. Not any kind of tabernacle. C'était un tabernacle prédisposé. That was a tabernacle pre-made. Pour contenir la plénitude de la divinité. To contain the fullness of the deity. Vous êtes avec moi. Are you with me? Mais maintenant ton corps. Now your body. C'est aussi le temple de Dieu. It's also God's temple. Tu ne vas pas recevoir la plénitude. That will receive the fullness. Ça recevra une portion. It will receive a portion. Mais cette portion-là. That portion. C'est toujours Dieu. It is still God. La quantité. The amount. C'est différent. It's different, yes. Mais la qualité. But the quality. C'est la même chose. It's the same thing, yes. Ce qui était en Jésus. That was in Jesus. C'est ce qui est en toi. That one is in you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Exactly right. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Jésus recevait la plénitude. Jesus was receiving the fullness. Mais toi. But you. Mais moi. Me. Mais William Branham. William Branham. Mais Pierre. Peter. Mais Paul. Paul. Nous recevons tous une portion. We all receive a portion of God. Et cette portion-là. And that portion. On l'appelle le Saint-Esprit. Is called the Holy Spirit. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is Holy Spirit? C'est Dieu qui habite en toi. It is God dwelling in you. C'est l'Esprit de Dieu. That's God's Spirit. Qui vient habiter en toi. Coming dwelling in you. C'est un esprit que le monde ne voit pas. It's a spirit that the world doesn't see. That's right. Que le monde ne connaît pas. That the world does not know. Mais toi, tu le connais. But you know it. Toi, tu le vois. You see him. Pourquoi? Why? Parce qu'il a dit. Because he said. Là où nous venons de lire. So just wait. Encore un peu de temps. Some more time. Et le monde. And the world. Ne me verra pas. Will see me no mais more. Vous. But you. Vous me verrez. You will see me. Parce que je serai avec because vous. I'll be with you. Pas seulement avec vous. Not only with you. Mais en vous. But in you. Yes, yes. C'est la promesse. Oh my. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est une promesse. It's a promise. Amen, amen. Yes, yes, sir, yes. Hallelujah. C'est yes. Une promesse. It's a promise, yes. Encore un peu de temps. A few times. Et le monde ne me verra and pas. The world won't see me no mais more. Moi, but me. Je serai avec vous. I'll be with you. Yes, yes, that's the promise. C'est la promesse. Non, pas seulement avec vous. Not only, mais je serai en vous. But I'll be in you. Yes, quand yes. Tu es en train de marcher, when I'm walking, yes. Tu marches avec Dieu. You walk with God. Yes, yes. Tu marches avec Dieu. You walk with God. Yes, yes. C'est pourquoi yes. Quand nous marchons, that's why when we walk, nous sommes sans crainte. We are fearless. Même quand la terre est bouleversée, even when the earth tumbled down, nous sommes sans crainte. We are fearless. Yes, sir. Yes, sir. Sans crainte. Fearless. Au lieu de tsunami là-bas. Oh, the tsunami. Au lieu de problème là-bas. The trouble there. Je suis sans crainte. I am fearless. Parce que celui qui est en moi. He is in me. La Bible me dit. The Bible is telling me. Celui qui est en toi. He is in you. Il est plus grand. He is greater. Que celui qui est dans le monde. Then he is in the world. Oh, j'aime ça. Alors, qui peut être plus grand? Who can be greater? C'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Yes, c'est Dieu. That's God. That's God. Yes. Yes, that's him. That's him. C'est pourquoi. That's why. Un enfant de Dieu. A child of God. Qui est baptisé du Saint-Esprit. Is baptized with the Holy Spirit. Il est compliqué. He's complicated. Il est double. He's double. Yes. On ne le comprendra pas. He won't be understood. No. Si on te comprend encore. C'est still understood. Pokokani. That means we are the same. Il faut pas comprendre Yoté. You need to be misunderstood. Moi, moi, je suis how is this girl? That the way she is.
Jésus ne comprenait pas. Jesus was not understood. Jésus était compliqué. Jesus was complicated. Jésus était difficile à comprendre. Difficult to understand. Difficile à saisir. Difficult. On devait seulement le croire. They just had to believe you. Alléluia. Praise on you. Doit te croire. They need to believe que you. Tu es un enfant de Dieu. You're a child of God. Oui, monsieur. Ne cherchez pas à me comprendre. Don't try to understand me. No, no, no. Croyez que je suis un enfant de Dieu. Just believe I'm a child of God. Parce que Dieu lui-même croit que je suis son enfant. God himself believes that I'm his child. J'ai une citation ici I have que a quote here that I'm going to read. J'ai une citation. I have a quote. Oui, Frère Branham a dit, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. He was received the Holy Spirit. Dieu God. A foi en lui. Oh my, has faith in hallelujah. My, my, my. Dieu God. A foi. Has faith. Oh, Jonathan Lango. Let me read it, please. Comprenez-moi que moi. Please. Let me read it. My, 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 my. J'aime ça. J'aime ça. My, 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 my. Oh my. My, 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 my. Praise the Lord. Que Dieu m'aide que je trouve ça. May God help me so I can find it. Vous comprenez que moi j'ai. You understand that me? Moi je ne suis pas un enseignant. You know, you understand that I am not a doctor. Je suis un prédicateur. I am just a preacher. Je dois chercher ça. I have to find it. Yes, please. Comment? Dieu qui te donne le Saint-Esprit. God giving you the Holy Spirit. Mais il a foi en toi. But he has faith in you. Dieu. God. Ayant foi en toi. Having faith in you. Mais. Come on. Mais ça. Come on. Ça me donne le courage. That gives me the courage. Ça me donne le courage. That's cheering me up. My, my, my. Je dois trouver ça. I have to find it. Je dois trouver ça. I have to find it. You will find it, yes? Quand j'ai lu ça, when I read it, j'ai dit car. I say my, my, my. Est-ce que ça peut faire aussi comme ça? Can it be this way? Ah, papa. Dieu. God. Avoir foi en moi. Having faith in me. Qui suis-je? Who am I? Oh là là. C'est l'enseignement aujourd'hui, n'aie pas peur. Today is the teaching. Don't worry. Quand on fait les enseignements, on prend beaucoup de temps. When the teaching is being made, so much time is being taken. Alors je dois trouver ça. I have to find it. Parce que ça m'a plu. Because it pleased me. Quand moi-même j'ai lu ça. When myself I read it. Frère m'a dit Dieu donne le Saint-Esprit à celui que lui-même a choisi. Brother, I'm saying he gives the Holy Spirit that he chose himself. Pas n'importe qui. Not any kind of person. No. No, no. Pas n'importe qui. It is not anyone. Dieu donne le Saint-Esprit, pas n'importe qui. God give the Holy Spirit not to anyone. Le Saint-Esprit est très important. The Holy Spirit is so important. Et ça coûte très cher. And it is so costly. Tu ne peux pas faire une perte. God cannot make a waste. Non, Dieu ne peut pas perdre. God cannot waste. Il veut donner son esprit à quelqu'un sur qui il compte. He want to give the Holy Spirit to somebody that he counts. Quelqu'un qui peut prendre ça et utiliser ça. Someone, hallelujah, that can take it and use it. Voilà. Here j'ai trouvé ça. I have found it. Pas
Paragraphe 47, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraph 47, what is the Holy Spirit? Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. This is what is the Holy Spirit. C'est le sceau de Dieu. It is God's seal. Qui montre qu'il a trouvé. Showing that he has found dot. Que vous avez trouvé grâce à ses yeux. That you have found grace in his eyes. D'abord toi tu as trouvé grâce à ses yeux. First you have found grace in his eyes. Et ensuite. And then. Il vous aime. He loves you. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui l'aime. God gives the Holy Spirit to whoever that he loves. Et ensuite. And then. Il vous croit. He believes. Alléluia. He believes in you. Ah, j'aime ça. Read it again, please. Que je lui dis again. Hey, read it, please. Alléluia. Vous avez trouvé grâce à ses yeux. You have found grace in his eyes. Ça c'est numéro 1. That's number 1. Numéro 2. Number 2. Il vous aime. He loves you. Alléluia. Alléluia. Numéro 3. Number 3. Il vous croit. He believes in you. Alléluia. Oh Seigneur. Il vous croit. He believes in you, my Et parce qu'il vous croit. Because he believes in you. Il met son sceau sur vous. He put his seal upon you. Dieu te croit. Oh my, he believes in you. Seigneur, je me sens bien. Dieu. God. Malgré tes faiblesses. Despite your weaknesses. Malgré tes erreurs. Despite your errors. Malgré ta faute. Despite your way of Dieu. God. Te croit. He believes in you. Il te fait confiance. He trusts you. My. Oh my. Hallelujah. God. Te croit. Believes you. Come on. Ça c'est grand. Come on. This is serious. C'est au-delà de l'imagination. It's above the imagination. Malgré mes erreurs. Despite my errors. Malgré mes faiblesses. Despite my weaknesses. Mais Dieu. But God. Dieu me croit. God believes in me. Oh Seigneur. Je suis plus grand que Daniel. I am greater than Daniel. Plus grand que. Greater than them. Il faut que je lise cette citation. I have to read the quote. Mon frère Abraham a dit que nous sommes plus grands. What Abraham said that we are greater. La justification. The justification. Abraham a dit c'était l'ombre du Saint-Esprit. Abraham said it was the shadow of the Holy Spirit. La sanctification. Sanctification. Il a dit c'était l'ombre du Saint-Esprit. The shadow of the Holy Spirit. Même la restauration des dons. The restoration of the gift. Chez les Pentecôtistes. With the c'était l'ombre du Saint-Esprit. The shadow of the Holy Spirit. Mais maintenant. Now. Il a dit c'est la restauration. The restoration. De la personne même du Saint-Esprit. Of the qui vient de toi. Alléluia. Dieu. Elohim. Le Créateur. Le mari capable, le Chilobon, le Yabushima, le Lombé, habitant dans les individus. The individuals. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Spirit? C'est Dieu. It's God. Seigneur, qui habite en moi. Oh, dwelling me. Nzambe Katinanga. God in me. Ndota kouta wapi. Where is the source that's going to come from? Akouta wapi. Where is it going to come from to bother me? C'est pour moi qui combat. I'm not fighting myself. Dieu combat pour les saints. God is fighting for the saints. Oh my. Et j'aurai toujours ma victoire. I will always have my victory. Bayana butu. May it come in the night. Bayana moi. May it come in the day. Ils sortiront par un seul chemin. Oh, they're gonna come with by one way. Mais ils fuiront par sept chemins. And they will flee by seven ways. Alléluia. Praise the Lord. Quelqu'un dit merci Seigneur. Somebody said thank you. Gloire à Dieu. Glory to God. Hosanna. Hosanna. Oh my, asseyez-vous, je vais prêcher. Sit down, I need to preach. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? Que j'avance un peu? Can I go forward? Je vais aller lentement. I will grow slowly. Brother Bram says, Dieu a dit, God said, dans Jean 16, in John 16, il vous est avantagé, it is a benefit to you que je m'en aille, for me to go.
Parce que si moi je ne m'en vais pas, because if I do not go, le consolateur ne viendra pas. The comforter will not come. Parce que le consolateur, because the comforter, n'était rien d'autre que lui-même. But nothing else but himself. That's right. Yes, yes. Ça c'est un mystère. That's a mystery. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, Dieu était dans la colonne de feu. God was in the pillar of fire. Dieu le Père. God the Father. Est-ce que vous dites amen? If amen, I say amen. Nous arrivons dans le Nouveau Testament. We get in the New Testament. Dieu est dans la chair. God is in the flesh. Dans le corps de Jésus. In Jesus' body. William Branham dit. William Branham le said. Le bébé qui pleurait dans la crèche. The baby crying in the manger. Ce n'était pas un bébé comme tous les bébés. Was that any kind of baby? C'était le grand Jéhovah. That was the great Jehovah. Qui pleurait dans la crèche. That was crying in the manger. C'est la vérité. Dieu. God était sur la terre. Was on the earth. Le quartier général. The headquarter. De la divinité. Of the Godhead. N'était plus au ciel. Was it in heaven. Sur la terre. On the earth. À Jérusalem. In Jerusalem. C'est vrai. Le quartier général. The headquarter. De la divinité. Of the Godhead. S'est déplacé. Was moving. Tantôt il est en Galilée. Sometimes he's in Galilee. Tantôt il est à Jérusalem. Sometimes he's in Jerusalem. Il part vers Nazareth. He goes to Nazareth. Il marche un peu sur l'eau. He walks a little bit on the water. Dieu. God. Le quartier général. The headquarter. Donc quand il est en train de marcher sur l'eau. He was walking on the water. Toi tu pries ici à Jérusalem. You pray in Jerusalem. La prière monte au ciel. The prayer goes to heaven. Ça descend sur l'eau. And gets down on the water. Parce que la réponse viendra de l'eau. Because the answer is going to come from the water. Même quand il était en train de dormir dans la barque, he was sleeping in the ship. Quelqu'un priait sur Dieu. Was praying. Ça montait là-bas. He was going up there. Ça partait dans le sommeil de quelqu'un. Going down the sleep of somebody. C'est grand. That's serious. Au ciel. In heaven. Il n'y avait pas de Dieu. There's no God. Parce que la plénitude. Because the fullness. De la divinité. Of the deity. Marchait sur la terre. Was walking on the earth. C'est la vérité. Le Dieu créateur. The God creator. Yes. C'est le même Dieu qui avait dit que la lumière soit. That the same God that said let the light be. C'est le même Dieu qui marchait sur la terre. The same God that was walking on the earth. Vous êtes avec moi. I am. Il a dit que vous êtes avantageux, Obed. He said it's good for you, Obed. Que je m'en aille. For me to go. Parce que si je suis ici, because if I'm here, vous n'aurez pas les consolateurs. You won't get the comforter. Mais je suis là. But I'm here. Vous avez besoin du pain, je multiplie le pain. You need the bread, I'll multiply the bread. Oh là-bas, la tempête, je calme la tempête. There's a storm and I appease the storm. Mais le problème c'est que vous avez besoin d'un consolateur. This is, you need a comforter. Celui qui sera en toi. The one is going to be in your roof. C'est pourquoi il vous est avantagé que je m'en aille. That's why it's good to you for me to go. My God. That's right. That's right. Quand j'irai, when I will be gone, le consolateur viendra. The comforter will come. Yes, yes. Il entrera dans chaque cœur. He will get into each heart. Vous marcherez avec lui. You will walk with him. Yes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est la consolation. It is the consolation. C'est le consolateur. That's the comforter. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit, brother? C'est le consolateur. That's the comforter. Yes. Il n'y a personne qui peut te consoler mieux que cet esprit-là. Oh my, no one can comfort you better than that. No! Yes. Même pas le pasteur. Not even the pastor. No, 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 no. Même pas ton père. Not even your father. No. Même pas ta mère. Not even your mom. Même pas ton mari. Not even your husband. Même pas ta femme. Not even your wife. Même pas tes enfants. Not even your children. Jamais. Never. Le véritable consolateur. The true comforter. C'est le Saint-Esprit. That's the Holy Spirit. Quand il est en toi. Where is in you? C'est la consolation elle-même. That the comfort is. Qui est en toi? That is in you. Peu importe le problème. It doesn't matter the problem. C'est comme si on a mis ton cœur dans la dans le frigo. Your heart in the fridge. Ton cœur ne chauffe plus. Your heart doesn't. Hallelujah. Doesn't heat up. Ton cœur se refroidit automatiquement. Your heart is cooling down automatically. Parce que le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit. C'est le consolateur. Why is the comforter? Oh Seigneur, oh Seigneur, j'aime ça. Loving it, my Lord. C'est le consolateur. That's the comforter. De tous les cœurs brisés. Of all broken hearts. Le
le consolateur, the comforter, c'est Christ en vous, that Christ in you, c'est lui le véritable consolateur, the true comforter. Problème B, Brother Branham says, 57, Brother 57, cet esprit là, c'est qui alors? What, who is it? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is Spirit? C'est Christ en vous, Christ in you, le consolateur, the comforter, c'est ça le Saint-Esprit, that what is Holy Spirit. Vous dites amen à ça. Il dit, et quand le consolateur sera venu, when the comforter will be, il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que le consolateur était en moi. While the comforter was in me. Yes, 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 yes. Le consolateur a vécu dans Jésus. The comforter lived in Jesus. Il fallait que Jésus rentre Jesus was to go. Pour que le consolateur revienne. For the comforter to come back. Et quand le consolateur est revenu en toi, when the comforter came back in you, il doit faire la même chose. He has to do the same thing. Comme il le faisait en Jésus. The way he was doing them in Jesus. Parce que c'est le même esprit. Because they're the same spirit. Yes. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser la foi d'un chrétien. No problem can be more than the faith of a Christian. Parce qu'un chrétien, because a Christian, il a assez de doses de la consolation. He has enough dose of consolation. Parce que l'esprit qui le fabrique, because the spirit that makes it, l'esprit qui le constitue, the spirit that make him, c'est ça la consolation. That is the consolation. Un chrétien fabriqué par la consolation. A Christian is made by the consolation. Parce que la consolation c'est le Saint-Esprit. Because the consolation is the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit c'est Dieu. God. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as Christ en toi. You have Christ in you. Et on t'appellera chrétien. And you will be called a Christian. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Spirit? C'est le consolateur. It is the comforter. Yes, yes. Que je mange. May I eat? Que je ne mange pas. May I not eat? Là-bas-là. May I get married? La balade. May I not get married? La. May I have children? La botate. May I not have children? Je mes my heart is at peace. Je suis calme. I am at peace, yes. Comme un homme, quand je commence à m'agiter, like a man when I start getting agitated. Il vient. He comes. Il adoucit ton cœur. And he softened your heart. N'est-ce pas que je t'avais dit? Didn't I tell you? Je suis le consolateur. I am the comforter. Je suis le soutien. Je suis. I am your support. Je suis, comment dit, le secours. I am the help. Qui ne manquera pas quand that tu es always available when you are in the distress. Le Saint-Esprit joue un rôle très important. Plays a very important role. Dans la vie de ses enfants. In the life of his children. Yes. 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 Peu importe la montagne qui est devant toi. The mountain that is in front of you. Le Saint-Esprit vient. The Holy Spirit comes. Il est en train d'adoucir ton cœur. He's softening your heart. Il te dit attention. He said, be careful. Tu vas entrer dans une épreuve maintenant. You're in a trial now. Sache que ça vient de moi. No, it's coming from me. Ça va pas te tuer. It's not going to kill you. Même dans cette épreuve là. Even the je serai là. Je vais t'aider. I'll help you. Même si c'est grand comment. Even though it's great. Sache que je suis là. No, that I'm there. C'est ça le but pour lequel. This is the purpose why. Nous l'aimons. We love him. Yes, yes, I love him. Sans le Saint-Esprit. Without the Holy Spirit. Que serais-tu devenu? What would have happened to you? Que serais-tu devenu? What would have happened to you? Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Il adoucit les problèmes. Is so même si c'est grand comment. Even though it's great, I don't know how. Lui il vient te dire, ah c'est petit. He comes tell you it's little. C'est moi ton père. I am your father. Je suis en train de te tester. I am testing you. Je suis en train de te vanter devant le diable. I am bragging about you in front of the devil. Comment c'est bon. How good it is. Ceux qui n'aiment pas le réveil. Love the reveil. Ils ne savent pas la chose qu'il manque. They don't know the thing that they're missing. Nous ici nous l'aimons. As here we love. Nous dormons sur le réveil. We sleep in the revival. Tu entres dans une épreuve. You get in a trial. L'abîme descend. God of wonders come down. Il te dit ma fille. He tells you my daughter. Attention. Be careful. C'est une épreuve. That's a trial. Ne pêche pas. Don't sin. Je suis en train de te vanter. I am bragging about you. Devant les diables. Front of the devil. Sois fort. Be strong. Même Job. Even Job. Il criera injustice. He will say unfairness. Parce que Dieu ne lui avait pas révélé ça. Because God didn't reveal him that. Mais toi. But you. Dieu vient te parler. God can't speak to you. Jérôme, calme-toi. John, be at peace. C'est moi. That's my head. La situation est sous mon contrôle. Situation is under my control. Je sais ce que je suis en train de tailler en toi. I know what I'm shaping in you. Oh, what kind of God is that?
is it for my beloved one? C'est que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. That's the comforter. Si tu as manqué la consolation, if you didn't get the consolation, sois disposé aujourd'hui. Be available today. Pour recevoir Dieu, to receive God. Tu verras que le problème là c'est rien. You see that problem is nothing. Le problème est dur sur les yeux d'un incrédule. The problem is tough in the eyes of an unbeliever. Mais un chrétien, but a Christian, un croyant, a believer, il doit minimiser le problème. He has to belittle the problem. Il doit minimiser ça. He has to belittle it. Il doit minimiser ça. He has to belittle it. Quand un chrétien est en train de crier, when a Christian is crying, mon problème est grand. My problem is le problème est débat. My problem is tu blesses Dieu. You're hurting God. Tu veux montrer comme si Dieu what est incapable de t'aider. Like God is unable to help you. Et pourtant Dieu, while God, il est parfaitement capable. He's perfectly able. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu? What can be more than God? Les enfants, the children. Non mais c'est rien. That's nothing. Le Dieu qui a donné le mariage, the God that gave il donnera les enfants. He'll give the children. Et le Dieu qui a donné les enfants, and the God that protégera les enfants. We protect the children. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Qu'est-ce qui est plus grand aux yeux de Dieu? What is greater than God's eyes? C'est de te sauver. Is to save you. Ou c'est de guérir ta maladie. Or to heal your sickness. Pose-toi la question. Ask yourself the question. Si vraiment Dieu, if really God, il t'a pris toi, took you, pas tout autour là du péché, not around the sin, mais dans la boue, but inside the mud, au dedans là, inside. Au-dedans. Yes, way inside. Yes, yes, yes. Tu sentais mauvais. You were stinking. Les gens t'abandonnaient, ils t'ont rejeté. They abandoned you, rejected you. Pour que les gens passent à côté de toi. They come close to you. Mm. They bite the nose. Mm. Oh, il pue. Mais Jésus. But Jesus. Il n'a même pas mis les masques. He didn't put even the mask. Il n'a pas mis les gants. He didn't put the gloves. Il est venu comme ça. He came like that. Pour entrer là où toi tu étais. To get where you were. Il t'a fait sortir Naomi. He brought you out. Il t'a nettoyé. He cleansed. Il a enlevé le péché. He removed the sin. Il a dit parce que je t'aime. He said because parce I que je te crois. Because I believe. Allez, comment t'as le Saint-Esprit? Let me get the Holy Spirit. Quel est le problème qui sera plus grand que ça? Which problem is going to be greater than that? Quel est le problème? Which problem qui peut dépasser ce niveau? That can be better than that level. Quel est ce problème-là? Que Dieu ne peut pas résoudre. God cannot solve. Oh Seigneur. Mon Dieu n'est pas un handicapé. God is not mon Dieu n'est pas un lâche. My God is not mon calm. Dieu n'est pas un efféminé. My God is not a Dieu est parfaitement God capable. Is perfectly able. Seigneur Jésus. My. Il est parfaitement capable. He's perfectly able. De te donner la paix. To give you the peace. De te donner la joie. Give you the joy. De te donner ce que tu as besoin. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la consolation. Not the consolation. Seigneur, j'ai besoin de ça. Yes. Il va te consoler. He's gonna comfort you. Pas demain. Not tomorrow. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Pas demain. Not tomorrow. Aujourd'hui. Today. Le Saint-Esprit doit entrer en toi. He's gonna get inside you. Il est déjà entré dans la de le faire. He's already doing it. Et quand il entre en toi, when he gets in you, fini avec tes problèmes. It's over with your problem. Fini avec la récitation over de tes problèmes. The recitation of the problem. Oh, mon problème est grand. My problem is mon great. Problème est grand. My problem is great. C'est quoi ce problème? What is that problem? Dis-moi, Annie, c'est quoi? Tell me, Annie, what is it? C'est quoi? What is it? C'est quoi, Irène? What is Irene? Général, c'est quoi? What is it? Mais qui, c'est quoi? What is it? C'est quoi ton problème? What is your problem? C'est quoi? What's c'est quoi? C'est quoi? What is it? C'est quoi ton problème? Nothing. C'est tout petit. Tout petit. Qui peut dépasser le Saint-Esprit? That can be more than the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, c'est la consolation. The Holy Spirit is the consolation. C'est le consolateur. He's the comforter. Que j'ajoute encore une dose? I add another dose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is Holy Spirit? C'est notre avocat. My, oh my, that advocate. Alléluia. Mon obéli nangai. Oh, oh my. Advocate. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit pour ta vie? For you, David. Oh my. C'est mon avocat. That's my advocate. Quand il est dans mon cœur. When is in my heart. Oh là là.
Oh my. Frère Bonhomme a dit, brother Bonhomme said, savez-vous ce qu'est un avocat fait? You know what that's a lawyer? Vous savez ce qu'est un avocat? You know what that, what is a lawyer? Un avocat, c'est celui qui défend une cause. A lawyer is the one that defends the cause. Seigneur Jésus. Un avocat. A lawyer. C'est quoi son travail? What is his work? Espère à échoué. Espèce fail. Elle est tombée. She has fallen. Elle est foutue. She is messed up. Prêt pour mourir. Ready to die. Mais un avocat vient. Now the lawyer, hallelujah. Elle se met entre la colère de Dieu et Esprit. Hallelujah, before God's wrath and Esprit. Quand Esprit veut parler, l'avocat lui dit tais-toi. Toi tu ne sais pas les codes de la loi. You don't know the code of the law. C'est moi qui sais comment parler. I know how to speak. Parce que là-bas au cours, on ne parle pas comme toi et moi. They don't talk like you. On dit selon l'article 13, selon l'ordre des 122, selon l'article 39. Toi tu ne le connais pas. But you don't know mais it. Le Saint-Esprit connaît le code pénal du ciel. It knows the code of heaven. Seigneur Jésus. Quand le Père dit David Micombo. Tu m'as pas obéi. You didn't pay me. Tu m'as trahi. You betrayed me. Tu avais fait ceci. You did this. Tu as fui l'église. Tu t'es mal comporté. You misbehaved. David Micombo. Tu es condamné. You are condemned. L'avocat vient. Alléluia. Alléluia. Oh my, the lawyer comes, Seigneur. Il est allé, David. He said, mets-toi de côté. I stand aside. Il vient. Here he comes. Il met sa tombe. He put on his robe, Seigneur. My honor, mon honneur. My, yes, my honor. Notre avocat. Our lawyer. Il s'incline seulement devant ce boss. Pas only in front of that man. Oh, notre avocat. And our lawyer. C'est notre juge. He says our judge. Notre avocat. C'est notre père. He's our father. C'est une affaire familiale. That's a family business. Qui peut te condamner? Who can condemn you? Ton juge, c'est ton avocat. Your judge is your lawyer. Mon sambisi na yo. Your judge. Mon obeli na yo. And your lawyer. Seigneur Jésus. Ici dit David. Hey, c'est David. Tu es condamné. You are condemned. Il entre dans un bureau. He gets in an office. Il change la tâche. He changes the tâche. Il revient lui-même. Comes back himself. David, mets-toi de côté. David, stay aside. Seigneur Jésus. Oh Père, oh Father, tu connais David? You know David. Tu connais les intentions de son cœur? You know the intentions of his heart. Sa volonté à lui. His own will. Mais c'est d'être comme toi. Is to be like. Oh, regarde sa prière. Look at his prayer. Selon l'ordre du mercredi 13 janvier 2014. Il était à genoux avec pantalon noir, avec chemise blanche. Il t'avait demandé. He asked you. Il voulait être comme toi. He wanted to be like you. C'est que le désir de son cœur. Il a besoin d'être comme toi. I want to be like you. Alors parce que toi tu as tardé. Because you linked. Alors lui il est tombé. So he fell. Et le juge a dit. And the judge said. Comment? How come? Tu veux mettre le temps sur moi? You want to put the rope? Le juge a dit attends. The judge said wait. Il entre dans une chambre. He gets in a room. Il change les habits. He changed the clothes. Il sort. He comes. Oh David. David. Mon fils. My son. Qu'est-ce que tu fais ici? What you doing? Qu'est-ce que tu fais? What you doing? Allez rentre à la maison. Go back home. Ton juge, your judge, c'est ton avocat. Is your lawyer. Ton avocat, your lawyer. C'est ton père. Is your father. Ton père, your father. C'est le consolateur. Is the comforter. Seigneur Jésus. C'est lui qui te justifie. He's the one that justifies you. Quel bonheur d'avoir le Saint-Esprit. What a happiness to have the Holy Spirit. Tu marcheras fort. You're gonna walk strong. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est mon avocat. That's my lawyer. Alléluia. Écoutez, frère, on dit paragraphe 62. Qu'est-ce qu'un avocat? What is a lawyer? Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il défend une cause. He defends a cause. Il fait miséricorde. He is doing the mercy. Il prend votre place. He is taking your place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. He does things that you are unable to do. Il est une victime propitiatoire pour vos péchés. Is a victim for your sins. Et vous voulez que je continue? You want me to continue? Et enfin, and finally, il est votre justice. He is your righteousness. Vous négligez le Saint-Esprit? You neglect the Holy Spirit? No. Mais c'est ça votre justice. That's your righteousness. Mon obélina yo. Your lawyer. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit.
Ton père. Your father. Ton Dieu. Your God. Quand il voit tes péchés, when he sees your sin, il est en train de pleurer à mon enfant. Crying, oh my child. Comment est-ce qu'il continue à faire ceci? How can he do that? Mais quand sa colère vient, when he's angry, lui me dit non, non, non. He said, no, 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 no. Et dans la réunion de famille le soir, in the family meeting in the night, toi tu es là. You are there. Tu es là. You are there. Parce qu'il est notre père. Because he's our father. J'ai une chambre dans sa maison. I have a room in his house. Dans son budget, je suis là. In his budget, I am in. Oh my, ça me vient. That's coming to me. Je suis dans son budget. I am in his budget. Quand il fait les calculs de l'année, he's making calculation for the year. Il me compte parmi. Il me compte parmi ses dépenses. He among his expenses. Dans ses dépenses, là, il dit, attends, c'est là. The other piece too is there. Je me sens bien ce soir. Well, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ton avocat. That's your advocate. Mon lobby na you. Your lawyer. You don't know how to talk. Toi, tu l'as toujours, oh, papa. Demain, pardonne-moi. Tous les péchés que j'ai. Toi, tu penses que le péché que tu as fait là, ça s'arrête seulement par pardonne-moi. Stop by, forgive me. Tu penses comme ça? You think so? Non, 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 c'est non, non, non. Que ta négligence là. That your negligence. Ça se finit, ça se termine, ça va pas dire Seigneur, pardonne-moi. So only over by au nom de Jésus, amen. In Jesus' name, et après tu pars dormir. Et tu crois que Dieu t'a pardonné? You think God has forgiven you? Il y a quelqu'un qui se tient à ta place. There's somebody standing for you. C'est la vérité. Le péché coûte cher. The sin is expensive. Pour ton salut. For your salvation. Ça a coûté la vie. It cost the life. Mais Dieu lui-même. God himself. Maintenant imagine-toi quand tu fais des erreurs. Now imagine when you make mistakes. Ça coûte combien? Une erreur coûte combien? How much cost? One error. En toi le jour tu fais combien des erreurs? You every day, how many errors do you make? La semaine tu le fais combien? The week, how many? Le mois tu le fais combien? L'année tu le fais combien? How many do you? Mais tu es toujours vivant. You're still alive. Pourquoi tu es vivant? Why are you alive? Qu'est-ce qui fait que tu sois vivant? What makes you alive? Quel est le système qui te garde toujours? What system keeps you alive? Ça c'est grand. That's it. Oh my. Quand tu pars à l'hôpital, when you go to the hospital, on te dit you need to pay the copay of $50. They tell you tu dois faire un copayement de $50. Mais la facture va venir de $500,000. But the bill is gonna come of $500,000. Toi tu n'as payé que $50. You paid only $50. Ton $50, c'est Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, j'étais tombé. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Forgive me, Lord. Au nom de Jésus-Christ, amen. Christ, amen. Des fois, tu demandes pardon sur rien. Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Forgive me. Tu fais même des promesses mensonges. Tu sais que demain, tu ne vas pas tenir à ça. You know, tomorrow, you won't hold to those promises. Oh Seigneur, si j'arrive demain, vraiment demain, je ne ferai plus ça. I won't do it. Mais même pas demain, le même jour, le soir, tu répètes ça. You do the same thing. C'est ces $50 de copay. That $50. Vous avez les 450,000 dollars qui va payer? Now the remaining of the money is going to pay that. Qui va payer? Who's going to pay that? Ton avocat. Your attorney. Qui est super riche. That is super rich. Lui, il vient, il se tient là. He comes, he stands there. Il commence à parler avec le vocabulaire de droit. With the wording of law. Selon la constitution de la croix. According to the constitution of the cross. Selon l'article 230. According to the article 230. Quand tu avais percé les côtes. When they pierced your ribs. Tu avais dit que Père, j'avais tout accompli. The Father, I fulfilled everything. Cette parole-là te lie, mon honneur. That... That would bow to my honor. Tu dois pardonner. You have to forgive. Tu as un avocat qui parle mieux que toi. You have an attorney that speaks better than you. Yes. Solange parle mieux que toi. Solange, he speaks better than you. Sans cet avocat-là. Without that attorney. Mais c'est fini. It's over. Yes, c'est fini complètement. C'est fini. Chaque jour nous commettons des péchés. We make mistakes. Yes. Oui. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Oui. Plus. More, et yes. Plus encore. More. C'est pourquoi avant la fin de ces réunions, jusqu'à le dimanche, until Saturday, pour pomper en puissance. I'm gonna pump you the power. Tu en as besoin. You need it, yes, I do. J'en ai besoin maintenant. Tu en as besoin. You need it, yes. Je vous dis la vérité. Telling you the truth.
Tu as besoin d'un consolateur. You need a comforter. Quelqu'un qui te parlera tous les jours. He's going to talk to you every day. Oui, oui, yes. Quand ça chauffe à l'extérieur. He's heating up outside. Lui te dit calme-toi. I tell you be at peace. Yes. Calme-toi. Yes, be at peace. Il y a tous ceux qui te parlent là. Yes. Mais ne négligez pas cette fois-là. Don't neglect that. C'est Dieu qui te parle. He's talking to you. Il te dit calme-toi, calme-toi. Quand tu veux te fâcher, il dit calme-toi. Tu as besoin de lui. You need him, yes, I do. Tu as besoin de lui. You need him, yes. Plus que l'argent. More than money, yes. Way more. Plus que la vie. More than life, yes, 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 yes. Plus que la paix. More than peace, yes, yes, yes. Tu as besoin de lui. You need him, yes, I do. Oh là là, je dois avancer. Oh my, I have to. Parfois quand on a le Saint-Esprit. Sometimes we have the Holy Spirit. Et and par ignorance, by ignorance, on fait un faux pas. We make a wrong step. Et on se retrouve dans quelque chose. And we find ourselves in something. Alors, le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is there. Pour défendre notre cause. To defend our cause. Il est notre avocat. He is our advocate. Il est notre représentant. He is our representative. Et il se tient là. And he stands there. Et il plaide pour nous. And he pleads for us. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. We plead for ourselves. Parce que le Saint-Esprit en plaide pour nous. Because the Holy Spirit is pleading for us. C'est le Saint-Esprit qui vous donne, c'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer. It's the Holy Spirit that helps you to express yourself. Parfois avec des mots que vous ne comprenez pas. Sometimes with the words that you don't even understand. Et lui, and him, il intercède pour nous. He intercedes for us. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Behold, what is the Holy Spirit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est notre intercesseur. That our intercessor. Notre avocat. Our attorney. Il intercède pour vous. He intercedes for us. Avant même que tu aies demandé pardon. But before he goes for forgiveness. Il a déjà intercédé. He's already interceded. Parce que lui, il a accès facile auprès de Dieu. Because it's easy for him to get to God. Parce que lui-même, c'est Dieu. Because he's God. C'est compliqué. It's complicated. C'est simplement à croire. It is just to believe. I believe. Avant le soir. Before evening. Lui, il est déjà devant son père. He's already in front of his father. Papa. Dad. Regarde cette fille-là. Look at this girl. Elle est ta fille. She's your daughter. Pardonne-la. Forgive her. Pardonne seulement. Just forgive. Et toi, tu continues la vie à l'aise. You keep living comfortable. Tu crois que tout est bien. You think that all is well. Comme si c'était ta force. Like it was your own strength. Comme si c'était tes prières. Like it was your prayers. Brother, I know how to pray, yeah? Moi, je sais prier. Moi, vraiment, je peux prier. I can pray one hour. Moi, vraiment, tu connais ça pendant ma vie. You know what I'm saying, brother? Ah, frère, frère. Hey, brother. Get out. Tu connais quoi? What do you even know? Toi, tu connais le bureau de Dieu? Do you know God's office? Il y a quelqu'un qui peut intercéder pour toi. There's somebody that go intercede for you. Toi, tu connais où aller demander pardon toi. Do you know where to ask for forgiveness? Il y a que lui. Only him. Il connaît le chemin. He knows the way. Il connaît le bureau. He knows the office. Quand toi tu dors là, lui il parcourt le bureau. When he sleeps, he goes where's the office. Seigneur, pardonne Samuel. Lord, forgive Samuel. Tu connais Samuel, non? You know Samuel, don't you? Ça c'est le travail de Dieu. That God's work. C'est pourquoi tu as besoin de lui. That's why you need him. Quand il est dans ton cœur, when is in your heart, tout est réglé. All is set. Tout est correct. All is well. Tout est bien. All is well. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est quoi le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est le sceau. That the seal. Il vient te sceller. He comes and seal you off. Le travail est terminé. That means the work is over. Il vient et l'observe. He comes, he observes. Il observe. He observes. Il observe. He observes. Tu es vraiment son enfant. You really his child. Tu t'appliques bien à l'école. You behave in school. Et il met le sceau sur toi. And he put the seal upon you. Que personne ne te touche. Let no one touch you. C'est pour de bon. That for good. Fabana m'a dit. What I'm saying. Ce n'est pas de réveil en réveil. It's not from revival to revival. Mais c'est jusqu'à votre rédemption. It's until your redemption. Yes. 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 C'est écrit dans Ephésiens 4, je crois. Written in Ephesians 4. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé. Don't you grieve the Holy Spirit by which you were sealed. Jusqu'au jour de votre rédemption. Until the day of your redemption. Yes, yes. Est-ce que yes. Tu as été scellé pour de réveil en réveil? Were you sealed for another revival day? No, no, no.
Le Saint-Esprit doit te sceller. The Holy Spirit has to seal you. Yes. Yes. Mais frère Branham a dit, Brother Branham says, il y a un grand problème dans les églises. There's a great issue in the churches. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas scellés. There are many people who are not sealed. Vous voulez savoir pourquoi? Do you want to know why? Vous voulez savoir quelque chose? Do you want to know something? Écoutez, frère Branham a dit, listen, Branham says, s'il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous, if there are not a lot of only among us, c'est à cause de ça. If we don't have enough ceilings among us, it's because of that. One. Il y a trop de laisser aller en nous. There is so much negligence in us. Trop de laisser aller. Too much negligence. Des fois, il y a des choses que tu fais, tu sais que tu ne devais pas sometimes, faire. Something that you do, you know that you cannot do it. Mais tu le fais. But you do it anyway. Tu sais que tu dois être soumise you know à ton mari. To be submissive to your husband. Mais non. But no. Tu sais que tu dois aimer ta femme. You know that you have to love your wife. Mais non, tu ne le fais pas. But you don't do it. Tu ne peux pas être scellé. You cannot be sealed. Tu sais que tu dois obéir, you know, respecter obey, tes parents. Respect your parents. La condition pour la bénédiction d'un enfant. The condition for the blessing of a child. C'est Ephésiens 6. Is Ephesians 6. Enfant. Child. Honore ton père. Honor your father. Obéis ton père. Obey your father. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Si vous ne respectez pas ça, if you don't respect that, tu peux être là, non papi, non papi, I'm destroying you. They destroy you. Je dis la vérité. I'm telling the truth. Yes. Toi, enfant, you try. Penses-tu que étant un sorcier, tu honores ton père? Do you think that being a sorcerer, you honor your father? Étant une sorcière, being a witch, tu es en train d'honorer ta maman? You're honoring your mom. Ta vie sera courte. Your life is going to be short. Remplie de malheurs. Full of woes. C'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. I'm not the one saying it's the Bible. La Bible dit honore ton père. Say honor your father. Honore ton ta mère. Honor your mother. Pour que tu sois élevé. So you can que be tu vives longtemps. And you live a long time. Tu penses que c'est un honneur? You think it's an honor? Qu'on dise que ah. They have to say, ah. Jérôme père moi né en really is a sorcerer. Tu penses que tu honores ton père? You think that you have honored your father? Tu as déshonoré ton père? You have dishonored your father. Yes. Ah bien, moi na Kinzunga wana. The town of Kinzunga. Vendumba pense à Charlotte. That's a real beach in Charlotte. Tu penses que tu as honoré ton père? You think that you have honored your father? Tu as honoré ta mère? You have honored your mother. Et tu penses que tu vivras longtemps? You think you're going to live a long time? Mais c'est simple, non? That's simple. Je peux prier jusqu'à ce que ma voix se casse. I can pray until my life, my voice. Mais aussi longtemps que cela n'est pas respecté. As long as it's not respected. La prière sera nulle. The prayer is going to be null. Mon frère, my brother, si tu n'aimes pas ta femme, if you don't love your wife, peu importe combien on peut jeûner, doesn't matter how much we can fast, tu n'auras pas le Saint-Esprit. You won't get the Holy Spirit. Yes, that's right. Je vous dis, I'm telling you, il n'y aura pas d'effet. There won't be any effect. Pour qu'il y ait des effets, for effect to be chacun doit respecter la parole de Dieu. Respect God's word. Yes, 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 yes. La femme doit respecter son mari. The woman has to respect her husband. Doit être soumise. Has to be submissive. Amen. 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 Quand il y a de laisser aller, when there's negligence, tu n'auras pas le Saint-Esprit. You won't get the Holy Spirit. Quand l'inspecteur fait son examen, il inspecte votre vie. He inspects your life. Pour voir s'il n'y a pas, s'il y a pas un peu de laisser aller chez vous. There's no negligence. Un peu de laisser aller dans votre vie there's de prière. In your prayer life. Beaucoup de personnes n'ont pas le Saint-Esprit. People don't have the Holy Spirit. Parce que, viens frère, je ne veux pas que les gens disent qu'il y a ta puce fabrique. I don't want people to say that. C'est parce que il y a un peu de laisser aller dans votre vie de quoi? Votre vie de prière. That's right. That's right. Vous croyez à ça? Do you believe? Yes. Yes. Yes, moi je respecte frère. I respect brother. Là-bas dans la montagne du soleil couchant, ça c'est mon père. Of the sun. Frère, non, mais frère, c'est un tour. Brother, what was telling the mais frère, brothers. Alléluia. Oh, la couronne de feu de descendit. Atteint l'horizontal. Alléluia, frère. By the rainbow horizontal. Nous sommes là, nous attendons. We are there waiting. Quand je dis alléluia, frère. Alléluia. Amen, frère. Amen, brother. La colonne de feu horizontal. Amen, frère. Horizontal. Amen, brother. Frère, tu pries combien de temps? How much time do you pray? My.
prédicateur, preacher, après avoir épaté la salle, after having amazed the room, tu pries pendant combien de temps? How much do you pray? Oh Seigneur, that's a good question. Pasteur, tu pries pendant combien de temps? How much time do you pray? Oh my, oh my. Vase, tu pries pendant combien de temps? Vessel, how much time do you pray? Musicien, tu pries combien de temps? Musician, how much time do you pray? Diacre, tu pries combien de temps? Administrateur, tu pries combien de temps? My. Si elle laisse aller dans la vie de prière, Dieu ne peut pas te sceller. God cannot seal you. C'est la vérité. Oh, Seigneur. Tu auras des émotions, you're gonna have emotions, des sentiments, feelings, mais tu n'auras pas les sentiments dans ton âme. In your soul. C'est la vérité. Tu pries pendant combien de heures? Qu'est-ce que tu donnes en priorité dans ta vie? Est-ce que ce sont les études? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la vie en famille? Ou c'est la prière? Is it the prayer? My. Tu veux monter le consolateur? Well, like the à cause de tes études? Because of your school. Mais bon, le caillou? But you are bewitched. Quand tu es de laisser aller dans votre vie de prière, in your prayer life, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. You won't get the Holy Spirit. Un peu de laisser aller sans à ce tempérament colérique. He's gonna let this temper inside you. Quand tu as un peu de tempérament colérique, when you have the temper inside you, le Saint-Esprit est doux. The Holy Spirit is sweet. Très timide. Very timid. Quand ça vient, toi, tu dois être douce. You have to be gentle. Tu dois être doux. You have to be gentle. Et vous aussi, vous allez être douce. A woman gotta be gentle. You can't down no sorrow. You that anger, where do you get it from? Moi aussi, ma salle est dans le matériel pour y en calmer kabat. Made in the material to calm people. Comme il retourne vers ce moment où now it's something else. Where is it? Rien de cela calme. Calme-toi. Chérie, calme-toi. Calm yourself. Et vous attendez à ce que la bénédiction soit dans votre blessing to be in your house. Quelle bénédiction? What blessing? Quel Dieu? What God? Tu dois être douce. You have to be gentle. Yes. La colère, c'est du diable. The anger is of the devil. Yes. Tu peux dire ça avec moi, la colère c'est du diable. The anger is of the devil. La colère c'est un mauvais esprit. The anger is an evil spirit. On doit être doux. We have to be gentle. La colère éloigne le Saint-Esprit. The anger puts away the Holy Spirit. Il y a d'autres, mais tant de communauté. Other people don't even say his name. Tu vas battre, I'm going to fight. What kind of sister is that? Ubunda ngenini. How are you going to fight? Quand Saint Esprit na katini ubunda. The Spirit in you is going to fight. No, le Saint Esprit est doux. The Holy Spirit is gentle. Le prophète dit le Saint Esprit est timide. The Holy Spirit is very timid. Quand vous faites mal, le Saint Esprit part. The Holy Spirit goes. That's right. When are you going to stop with your anger? Fais l'effort de renier cet esprit-là. Make an effort to deny the spirit. Quand tu es un peu de laisser aller quant à cette langue. When there is negligence about your tongue. Sister. Et comment appeler ma frère? And some even brothers. Some brothers, they really can talk. You don't know the pastor. What kind of brother are you? The brother is talking everywhere. Even say Jesus' name. Kabila. Je vous dis la vérité. Hein? I'm telling you the truth. Faites chéri, je dis la vérité. Brother Jay, am I telling the truth? Kabila, tu connais l'économie. You know, brother, the economy. Le pays, ça n'avance pas. It doesn't work. Si on te mettait le président de la République, the of the country, tu penses que tu réussiras. You think you're going to succeed. Si tu n'arrives même pas à arranger ta vie, fix your own life. Ta vie qui est seulement pour toi, tu n'arrives même pas à organiser ça. Organize it. Quand on entre dans ta chambre, les souliers sont sur le lit. The shoes are on your bed. Les chaussettes sont là-bas. The socks are on the corner. Les chaussettes sont même dans la marmite. You even in the pots.
Je vous dis la vérité. Tell you the truth. Zoe soumet na etanga na zone bro. Ozo allergie. When you take your towel, you put it on your nose. Chemise na sama peke koma orange, jaune. The shirt under the armpit is. Mais aso condamné président de la République. But he condemns the president. Suki na imoko zanga bakwe. The hair, not even well. Zongo kandenge zone. That's the way it is. Je vous dis la vérité. Tell you the truth. So when you chaussette na ye, when you took his socks, Ose yango na kati na mai, you put it in Mawa. A bucket of water. Noir comme black like. Comme l'Égypte de la sœur Bekila. Noir, noir. Like it's completely black. On nous prend la tiens pendant des siècles. On nous prend ça for 2 centuries or 3. It get even infection in his fingers, in his toes. But it is When are you going to fix it? Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Un peu de laisser aller dans votre langue. Some negligence in your talk. Tu connais cette sœur là. Tu connais vraiment. Ces enfants là. Dans la vie vraiment. Alléluia. Alléluia. C'est un démon. That's a demon. Occupe-toi de tes enfants. Take care of your children. Occupe-toi de ta famille. Take care of your family. Yes. Occupe-toi de ton mari. Take care of your husband. Pour que le Saint-Esprit entre en toi. So the Holy Spirit can get in you. Coupez un peu les causeries là inutiles. Cut those useless talkings. C'est une grande distraction. That's a great distraction, yes. On te l'a fait encore ça. Fais la vie encore ça. Fais la faire. Maman, quand est-ce que tu parleras du Saint-Esprit? When are you going to talk about the Holy Spirit? Le Saint-Esprit vient là où on parle de lui. That's where they talk about him. Yes, yes, yes. Quand vous êtes en train de parler de Jésus, about Jesus. Comment on me dit Jésus? When they say Jesus is coming. Vous croyez ça, Joshua? You believe it, Joshua? Quand il y a de laisser aller dans cette langue, in that tongue, pour parler des autres, to talk about other people, le Saint-Esprit ne scellera jamais le wagon. The Holy Spirit will never seal the wagon. Quand tu as des habitudes sales, when you have dirty habits, quand tu as des choses dégoûtantes, when you have disgusting things, des pensées vulgaires, vulgar thoughts. Tu penses à tout sauf à Dieu. You think about everything but God. Tu penses comment nuire la vie de quelqu'un. You think how to harm somebody's life. I think he is selling a boy. The way he did it to me. Ngai vraiment. Really. Akomona ngai kaka. He's gonna see me what I'm doing. Quel chrétien là qui prend des telles décisions? What Christian takes some kind of decision? Il n'y a même pas de place pour le pardon dans son cœur. Doesn't have any place for forgiveness in his heart. Oh my. Parce qu'il m'a fait ça. Because je dis le nom de Dieu, je suis une femme. Il n'y a pas de linganga. Il va venir au salep. Quel est cet esprit qui parle en toi? What spirit is talking in you? Il n'y a pas de pardon en toi. There's no forgiveness in you. Moi je suis venu. I came. Elle m'a pas bien reçu. She didn't receive me well. Je vais la montrer. I'm gonna show moi her. Moi aussi je peux aimer une autre femme. Me too, I can elle verra. Another. She's gonna see. Quand tu dis ça, when you say that, c'est une semence. That the seed. Ça entre. That came. Ça va se reproduire tôt. You're gonna reproduce sooner or later. Tu iras à l'extérieur. You will go outside. Yes, yes. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas Dieu. It is not God. No, no. Le Saint-Esprit pardonne. The Holy Spirit forgive. Le Saint-Esprit supporte. It bears. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu as des pensées vulgaires, when you have vulgar thoughts, des décisions inutiles, useless decisions, le Saint-Esprit n'entrera pas. The Holy Spirit won't get it. Aujourd'hui, tu dois renier à cela. Today you have to deny it. Pour que le Saint-Esprit entre. For the Holy Spirit to come. Pas dans la chair. Not in the flesh. Pas dans l'esprit. Not in the spirit. Mais dans ton âme. But in your soul. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, a besoin de sceller l'âme de quelqu'un. Need to see somebody's soul. Mais ça doit être une âme préparée. It has to be a prepared soul. Parce qu'il ne donne pas le Saint-Esprit n'importe qui. To anyone. Ça doit être quelqu'un qui est bien. Somebody that is well. Je tape un peu sur vous, mes sœurs. I hate on you, my sister. La femme ne peut pas diriger son mari. The woman cannot control the husband. La place de la femme c'est en dessous de son mari. Is under the husband.
lui suggérer quelque chose, oui. To suggest him something well. Mais lui dicter quelque chose, non. But to command him something, c'est une malédiction. It's a curse. C'est une malédiction. It is a curse. La femme, the woman, doit écouter son mari. Is to listen to her husband. Pourquoi il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas le Saint-Esprit? Ils ne respectent pas leur mari à la maison. They don't respect their husband at home. Insoumission. They are unsubmissive. Chérie, je suis fatigué. And je suis fatigué. The things in your kitchen. Me don't tire. Le Saint-Esprit ne te scellera pas. The Holy Spirit won't seal you. Am I telling the truth? Est-ce que je dis la vérité? Yes, yes, that's the truth. La soumission fait fuir le Saint-Esprit. And submission makes the Holy Spirit to fuir. Je parle de la soumission sur tous les plans. And submission in everything. Dans ta chambre. In your room. Dans le salon. In the dans la cuisine. In the kitchen. Tu sais de quoi je parle. You know what I'm talking about. Est-ce que tu m'écoutes? Are you listening? Ma sœur, tu m'écoutes? My sister, have you listened to me? Parce qu'il n'a pas fait ça. Because il y aura autant d'embargo. Il y aura cessé cela. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. You will not get the Holy Spirit. Une femme, a woman, avant qu'elle reçoive le Saint-Esprit, elle doit remplir les conditions d'une bonne femme dans la maison, she has to meet the dans sa chambre, yeah, in the room, dans la cuisine, in the kitchen, dans le salon, in the living room, même dans la douche. Even in the bathroom. Le samedi prochain, réunion de mari. Next Saturday, meeting for the married people. Tu as besoin du Saint-Esprit. Yes. Mais Dieu doit te tailler. Tu dois te briser. God has to break you. Tu dois perdre tes droits. You have to lose your right. Toi là, tu dois perdre you les droits. You have to lose your right. Yes, yes, sir. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Quel est le droit que toi tu as? What right do you have? Tu es l'aide de quelqu'un. You are somebody's help. Tu dois l'aider. You have to help him. Et lui, il rentre du travail, il est fatigué. From work is tired. Tu ne sais même pas l'aider pour transporter son sac. To carry his bag. Et tu viens dire, oh Jésus, j'aime. Jésus, sort au temple là, ma fille, il est venu dans ma pétale. Hypocrite. Hypocrite. Donc Jésus, c'est ton mari. Yeah, Jesus is your husband. Yes, yes. Je suis dur. Am I tough? Mais je dois l'être. I have to be. Pour que Sharon change. So Sharon can change. Je dois l'être. I have to be. Pour que Sarah change. So Sarah can change. Vous devez changer. You have to change. Le Saint-Esprit doit entrer en toi. Mais tu dois être brisé. You have to be broken. Attention, Limba Solo. Even he's thinking. Nous que nous sommes les parfums. You go buy for him a perfume. Bon Dieu, ça y est. Fix him. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Je dis vrai, frère Eli. I'm telling the truth, brother Elijah. Mais vous voulez que Dieu entre en vous. You want God to step into you. Mais remplissez les conditions. But meet the requirements. Remplissez les conditions. Meet the requirements. Toi, tu es chef, tu es reine. You are the queen. Ton mari doit se plier tout le temps. To buy for je te salue, ma sœur, my wife. Femme de grâce. Est-ce qu'aujourd'hui je peux trouver grâce à Dieu? Tu as tout get out. Tu ne mérites même pas le mariage. You don't deserve the marriage. Tu fais fuir Dieu dans votre maison. May God flee from your house. Aujourd'hui tu dois régner cet esprit. Today you have to deny the spirit. Tu dois régner cet esprit-là. Nous avons assez de Dieu. We have enough. Pour chasser ces démons. To cast out a demon. Yes, sir. Yes. Je dis vrai. Am I telling the truth? Je tourne vers les frères. I'm turning to the brothers. C'est toi qui dois être propre. You have to be clean. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Not her. Toi, tu connais tous les magasins. You know all the stores. Toutes les vestes là qui coûtent cher. All the suits that are expensive. Mais tu connais partout là où on fait les sales. But you know where they do the sale. Oh, Walmart est ça la sale à ma chemise. Walmart is going to do the sale for the shirt. J'ai mis dans mon sac des $10. The shirt is already $10. Sale l'anglais combien? The sale is how much? $3. $3. Chérie, viens. Honey, on va aller acheter des habits. Let's go buy clothes. Tu as besoin que Dieu entre dans ton cœur. You need God to come in your heart. Which heart? Ce cœur là égoïste. That heart selfish. Tout l'argent va aller chez ton oncle là. All money go to your uncle. À Kasumbalesa. In Kasumbalesa. Mais c'est la maman de la sœur, ça ne peut pas aller. The mother of the sister cannot go.
Oh Lord, I love you. Seigneur, oh tu sais Lord, que je t'aime, Seigneur. Oh Lord, I love you. Seigneur, you my heart, Lord. Oh Lord, I love you. Oh Seigneur, hypocrite. Hypocrite. What love do you love? What love do you love? De quel amour tu aimes le Seigneur? Je me dis frère, non? I'm telling you the truth, yes. Le ma frère m'a émis guitare. Today we don't take so many problems. I don't see Jomo. Bon, frère, Diak, rappelez-moi pour que je parle de ça le dimanche. You might miss, I can talk about it. Pour que le Saint-Esprit entre. The Holy Spirit got a step. Frère, relis, tombe la main sur la face, t'as quitté ton a nice suit to your wife like yours. Oh non, chérie, tu sais, quand je passe devant tous les jours, c'est moi qui conduis les chansons. Mais non, ton chéri aussi vient à l'église. But your honey goes to church as well. Elle tombe aussi sous l'onction. On la voit aussi. We see her as well. C'est vrai, non, mon frère? That's the truth, right? C'est la vérité, non? That's the truth. Yes, yes, yes. Yes, sir. Non, chérie, toi, attends, hein? Honey, you wait. Tu vois, maman est malade, hein? You see, mama sick. Tu veux d'abord envoyer l'argent chez maman? Yes, and mommy. Chérie, tu sais que je t'aime. Honey, you know that I love you. Chérie, pas Lingakwa, oui, chérie, je sais. Honey, love you, she say yes. On va voir ça prochainement. Let's see it next time. Prochainement. Next time. Chérie, tu vois, hein? Honey, you see. Mon oncle, vraiment. My uncle, right? Le sympa l'avait mordu. Ah, tu vois, vraiment. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Entre-temps, toi, tu t'achètes une veste. Meanwhile, you buy a suit. Tu fais un nom, chérie. Come on, honey. Na son bite ba def singa. I didn't buy it just for you. T'as what I'm affaire moi de mars. Buy even at the end of March. Deux jours après, chérie. Days later, honey. Tu as besoin de ranger notre temps pour cette gamme. Let's give it to him. Oh, yeah, mais qui qu'on repère ça? You knew that you'd give. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est très important That's pour very important for you. Yes, mais tu dois remplir des conditions. You have to meet the requirements. Yes, yes. Mes jeunes frères, mes jeunes young sœurs, brothers, young sisters, tu dois honorer ton père. You have to honor your father. Ou tu dois honorer ta mère. You honor your mother. Yes, yes. Pour que Dieu croie en toi. God believe in you. Pour gagner la foi de Dieu. To gain God's faith. La confiance de Dieu. God's confidence. C'est fort. That's tough. Tu dois amener Dieu. You have to bring God. Et dire amen à ta vie. Say amen to your life. Donc, tu es en train de vivre. You're living. Dieu est en train de crier amen. God say amen. Alléluia. Alléluia. Tu es en train même sous l'onction. Get under the anointing. Quand il voit Joshua là à l'école, tu regardes comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je regarde à l'église. Je dis alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Laissez le Saint-Esprit. C'est un travail que tu dois faire. That's what you have to do. Yes, yes, yes. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de scellement? There's not so much sealing. C'est parce qu'il y a de laisser aller. Because there's negligence. Il y a la légèreté. There is lightness. Même à l'école. Even in school. Soyez chrétiens. Be Christians. Soyez chrétiens. Be Christians. Amen. Amen. Yes. Même là où papa ne te voit pas. Dad doesn't see you. Là où maman ne te regarde. Mom doesn't look at you. Toi, sois chrétien. Just be a Christian. Soyez chrétien. Be a Christian. Soyez chrétienne. Be Christians. Laissez les causeries qui t'amèneront nulle part. Leave talking that won't take you anywhere. Toi-même tu sais, non? Yourself you know, right? Quand quelqu'un vient commence à te Somebody dire, comes, start tu es so cute, hein? Yeah, tu es mignon. Tu penses que ça va amener où? Think what does he want to take you to? Est-ce que ça amènera au Saint-Esprit? It's gonna take to the Holy Spirit. Ça amènera loin. It's gonna take you far. Je vous dis vrai, non? I'm telling you the truth. Il vient là, ah, brother Ben. He comes, oh, frère Ben. You are from my brother. Tu es vraiment un frère. Oh, ça semble moyen bien. You pretend, but you know what I'm talking about. Frère, vraiment, vous êtes un cute. Brother, really, tu es mignon. Vous pensez que ça va amener au baptême de the baptism of the Holy Spirit. Mais quand tu vois quelqu'un comment. See somebody coming. Dieu te bénisse, ma sœur. God blesses my sister. Je priais le matin. I prayed in the morning. Oh, je fais une expérience avec Dieu. I had an experience with God. Regarde ce que Dieu m'a dit. Look what God Regarde said. Ce que Dieu m'a dit. Look what God Est-ce said. Que Dieu t'a aussi dit quelque God chose? God has told you something as well. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Somebody called Parle de Jésus. Talk about Jesus. Yes. Parle de Dieu. Talk about God. J'ai des bien-aimés ici quand ils m'appellent. On n'arrive même pas à couper le téléphone. When they call me, we cannot even cut off the phones. Commencera à parler au pasteur. Regarde, il se goûte. Pasteur, regarde ce que Dieu fait. Pasteur, vous parlez, tu sens l'onction. Take you feel anointing. Praise the Lord. Tu sens que Dieu est juste là. That God is right there. Yes, yes. Praise the Lord. Mais il y a d'autres personnes trop légèrement au téléphone. Comment est-ce que Dieu entrera? How would God step in?
Trop de critiques. Too much critics. Ça éloigne Dieu. That put God away. Si quelqu'un a compris qu'il dit Somebody understood say amen. I say amen. Trop de soumission, ça éloigne Dieu. Too much insubmission. Trop de mauvaises décisions. Too much wrong decisions. Ça éloigne Dieu. That put God away. Un caractère dur. A tough character. Ça éloigne Dieu. That put God away. That's who I am. You are a woman, not a woman, man. Je vous dis la vérité. I'm telling you, yes. I am a man, woman. Are you going to be happy about it? Today I'm going to wash your clothes. Are you going to agree? But what do you want to say? Don't you please? I'm beating even my big brothers. Me, I am your big brother. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. The Holy Spirit is a seal. Yes. Et pour que le Saint-Esprit te serve, the Holy Spirit to seal you, il doit avoir foi en toi. Yes, to believe in you. Tu dois lui convaincre. You have to convince him. Que tu es vraiment un chrétien. That you are a real Christian. Avec ta façon de marcher. The way that you walk. Ta façon de parler. The way you speak. Ta façon de te comporter. The way you behave. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you ici? Vous êtes fatigué? Are you tired? Acclamez un peu très fort pour la gloire de Dieu. Applause for the glory of God. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? Le Saint-Esprit, c'est le repos. The Holy Spirit is rest. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est le consolateur, the comforter, c'est le signe, is the sign, c'est le sceau, is the seal, c'est le guide, is the guide. Quand tu as tout ça, when you have all qu'est-ce qui vient après? What comes after? Le repos, the rest. Je me repose. I'm resting. Même quand ça marche pas, when it doesn't work, je suis en repos. I am resting. Le consolateur est ici. The comforter is there. La paix ici. The peace is there. La joie est ici. Joy is there. Le bonheur est là-bas. Peace is there. La solution est ici. The solution is there. Mais je suis dans le repos. I am in the rest. Yes, sir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la sécurité éternelle. It is the eternal safety. Tu as été scellé. You are sealed. Jusqu'à la rédemption. Until the redemption. Tu n'as pas été scellé. You are not sealed. De réveil à réveil. From revival to revival. Mais n'attriste pas le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Par lequel Dieu t'a scellé. You are sealed. Jusqu'au jour de ta Until rédemption. The redemption. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? The Holy Spirit. C'est ta sécurité éternelle. Is your eternal safety. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? The Holy Spirit. C'est la puissance d'en haut. The power, the upper power. Pas la puissance d'en bas. Not the down power. Nguye ou ta nikolo. But the power coming from Quand ça entre à toi, gets in you, tu deviens 6600. It becomes 6600. Dangereux. Dangerous. Quand tu marches, when you walk, le sorcier observe. The sorcier's watch. Eh? 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 Masa, qui m'a boyé? Eh, you better go. What? What? Azoya. He's coming. Nani? Who is it? Totanga Kombete. Don't say the name. Je vous dis frère. I'm telling you. Quand tu as le Saint-Esprit. When you have the Holy Spirit. Mais Lucifer a peur de you toi. Lucifer is afraid of you. L'enfer tremble. Hell trembles. Quand toi tu es en train de te présenter. When you present yourself. Pourquoi? Why? Parce que c'est Christ qui marche. Because it's Christ walking. C'est Dieu qui marche. It's God walking. Quand tu entres encore en classe. You're getting, même les professeurs a peur even de the toi. Professors afraid of you. Yes. Il n'arrive pas à faire les eye contact. He cannot do eye contact. Il a peur de toi. He's afraid of you. Même le superviseur. Even the supervisor. Il a peur de toi. He's afraid of you. Pourquoi? Why? Parce que toi tu vois toi. Because you see. Mais il voit Jésus. He sees Jesus. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Someone who has the Holy Spirit. Quand il marche. When he walks. Il a les gardes du corps. He has bodyguards. Les anges sont là. The angels are around. Un ange à gauche. An angel right. Un ange à droite. An angel left. Un ange devant. An angel in front. Un ange derrière. An angel in the back. Lui il est en train de marcher là. He's working. Quand tu entres dans l'avion, when you get in the airplane, l'ange va jusqu'à chez le pilote. Go to the pilot. Lui-même commence à piloter l'avion. Pilot in the airplane. Tu entres dans le bateau. You get in the boat. L'ange devient le capitaine. You become the captain. Tu entres dans le bus. You get in the bus. L'ange devient le chauffeur. You become the driver. Dis-moi le danger viendra d'où? Tell me the danger is going to come from where? C'est pourquoi la Bible dit aucun malheur ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que l'Éternel, without the Lord, ne le permette. The Lord. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est la puissance d'en haut. That's the upper power.
C'est la puissance. That's the power. Qui doit entrer dans la vie de chaque chrétien. To come in the life of each Christian. Un chrétien doit avoir la puissance. A Christian has to have the power. Là le bonango. Let's talk about it. Maman. Sir. Attendre qu'il y a deux ans. Even a source of 2 years. As la puissance. As the power. That's right. Et toi, un converti de 6 ans. And you're converted of 6 years. Un chrétien de 12 ans. A Christian 12 years old. Tu n'as rien. You don't have anything. Quand si tu le nom de Jésus, tu trembles. You tremble. Parce que le bango te laisse dans ses. Pasteur. Un chrétien doit être puissant. A Christian has to be powerful. Un chrétien doit menacer le diable. A Christian got a threat the devil. La présence des chrétiens. The presence of a Christian. Doit mettre le diable mal à l'aise. Has to put the devil uncomfortable. Yes. Yes. Un chrétien ne se plie pas devant les sorciers. A Christian doesn't bow in front of the sorcerers. No. No. Un sorcier doit avoir peur de. A sorcerer has to be afraid of a Christian. Un chrétien doit être puissant. A Christian has to be powerful. Il sait que j'ai la puissance. He knows I got the power. Comme il marche là. As he walks. Il sait que j'ai quelque chose. He knows I have something. Yes. Un chrétien doit le savoir. A Christian got to have it. Quel sorte de chrétien es-tu? What kind of Christian are you? Si tu n'as pas la puissance. You don't have the power. Un chrétien doit être en mesure de bouger les choses. Christian got to be able to move things. De changer les choses. Say things, yes. Yes, sir. Yes, yes. Il marche un peu. He walks a little. Ça commence à pleuvoir. He stop raining. Il prie. He said rain. Arrête-toi. Stop there. Yes, yes. Il continue. He keeps. Il trouve l'enfant malade. Find the test. Tu as des mots. You demon. Sors. Get out. Il continue. He keeps going. Il n'a pas de travail. That's what they say. Seigneur, je veux le travail. No, I need a job. Yes. Un chrétien doit être puissant. A Christian has to be powerful. Yes. Il doit être fort. He has to be strong. Yes. Parce que tu as la puissance. Because you have the power. Et tu dois l'utiliser, frère. You have to use it, but yes, yes, yes. Tu prends ta puissance. You take your power. Tu lis tes enfants. You bind your children. Tu lis ta maison. You bind your house. Tu dois être puissant. You have to be powerful. Yes, yes. Comment, vous n'êtes pas d'accord? How come, don't you agree? Frère Ambroise, tu n'es pas d'accord? Don't you agree, brother Ambroise? Mes frères. My brother. Un sorcier sait qu'il a la puissance. A sorcerer knows that he has the power. C'est pourquoi il n'a pas peur de vous. That's why he's not afraid. Et là, toi. Now you. Quand est-ce que tu sauras que tu as Dieu? When will you know that you have God? Quand? When? Moi, je ne prêche pas des histoires. I don't preach. Vous me connaissez très bien. You know me. Je ne prêche pas de. Non. I don't preach. No. Moi, je veux du tic au tac. I want something happening. Tu as besoin de Dieu. You need God. Yes. Tu marches là avec une évidence. You want tu sais que ça, c'est Dieu. That this is God. Yes, sir. Yes, sir. Mes amis, you, my friends, je veux qu'à la fin de ces réunions, at the end of these meetings, que tu aies une évidence. That you have an evidence. Yes, 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 sir. Que tu présenteras. That you're going to present. Aux tentateurs. To the tempters. Quand ils viendront pour te tenter. They're going to come to tempt you. Tu lui dis attention. You say be careful. Je ne suis plus celui que tu connaissais. I'm not the one that you used to see. N'a changé. I have changed. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'abord. The Spirit is the upper power. Tout chrétien doit avoir une puissance. All Christians gotta have a power. Yes. Il doit marcher avec la puissance. Yes, to walk with the power. Il doit délier sa famille. Yes, to unbind his family. Il doit être fort. Yes, to be strong. Il délivre sa famille. To deliver his family. Yes, yes. Tu peux le faire. You can do it. Yes, yes. Avec ta prière, with your prayer, yes. Tu peux délivrer tes frères. Deliver, tu peux délivrer tes sœurs. Yes, deliver your sisters. Amen. Tu peux les délivrer. You can deliver them. Amen. Tu peux devenir un héros de ta famille. You can become a hero in your family. Ce n'est pas seulement chercher leur mort. It is not to seek for the death. Mais tu peux aussi chercher leur délivrance. You can seek their deliverance. Parce que toi, tu as la puissance. Because you have the power. Tu as quelque chose. You have something. Qui fait le travail. That does the work. Yes. Yes. Est-ce que j'ai dit quelque chose? If I say something. J'ai dit quelque chose. If I say something. J'ai dit quelque chose. Say, yes. Yes. Tu peux chercher la délivrance. You can seek the deliverance. Yes. De ta maison. Of your house. Yes. 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 Yes, seulement les maudits. Not only to curse them. No, 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 not only that. Mais leur délivrance. But the deliverances. Yes. Seigneur, aujourd'hui je gêne pour Joshua. Today I fast for Joshua. Seigneur, demain je vais gêner pour Alexandre. I'm going to fast for Alexandre. Seigneur, je vais gêner pour Leah. I'm going to fast for Leah. Yes. J'ai besoin de leur délivrance. I need the deliverances.
Yes. J'ai besoin de Seigneur. I need them, Lord. Ta prière peut le faire. Your prayer can do it. I believe that. That's the truth. Vous croyez que la prière change tout? You believe that the prayer changes everything? I believe that. Vous croyez que la prière change la malédiction en bénédiction? The curse in blessing. Amen. I believe that. Dis gloire à Dieu. Say glory to God. Dis merci Seigneur. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Et je veux terminer aujourd'hui avec ce point. Finish today with this point. Vous connaissez déjà ce que je veux dire. You know what I'm about to say. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est une portion, is a portion qui satisfait, that satisfies pleinement, fully. Yes. God was giving the goods. The Levites, you're going to get this. Les Lévites, vous aurez ceci. Those, you're going to get that. Les ceci, vous aurez ceci. Those, you're going to get this. Et Moïse est venu. And Moses came. Il a dit, mais, he said, but tu as donné aux Lévites, you gave to the Levites. Tu as donné, you gave to the deacons. Tu as donné les autres, you gave to the other ones. Mais moi, how about me? Il a dit, Moïse, said Moses. Pour toi, for you, je suis ta portion. I am thy portion. Ta part suffisante. Your sufficient share. Ta yes. portion. You, thy portion. Qui te satisfait pleinement. That satisfies you fully. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit est en toi, the Holy Spirit is in you. Tu n'as pas besoin de la magie. You don't need the magic. No. Tu n'as pas besoin de féticheurs. You don't need magicians. No. Tu n'as pas besoin de soucis. You don't need worries. No. Tu n'as pas besoin des inquiétudes. You don't need worries. Tu as une portion. You have a portion. Qui te satisfait. That satisfies you. Pleinement. Fully. Amen. Et si n'attendi. I am already full. Et si n'attendi. I'm already full. Proverbe 108. Proverbe 108. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. That I received the Holy Spirit. Qu'il ait à mendier son pain ou pas. May he have to beg for his bread or not. Ça lui est égal. It doesn't mean anything to him. Ça ne compte pas pour lui. It doesn't count on him. Il est une créature qui est en route pour le ciel. He is a creature on the way to heaven. Il n'a aucune tâche ici. Pas du tout. It doesn't have any assignment here. Not at all. C'est vrai. That's right. Ça lui est égal. It doesn't matter to him. Advienne que pourra. Whatever happened. Whatever happened. Mais il a une portion qui lui satisfait but pleinement. He has a portion that satisfies. Quand les gens critiquent. May the people critics. Quand les gens se moquent. May the people mock. Yes, yes. Quand vous perdez votre prestige. May you lose your prestige. Qu'est-ce que ça peut vous faire? What can it do to you? Vous êtes en route pour la gloire. You're on your way to glory. Hallelujah. Vos yeux sont fixés sur Christ. Eyes are away to Christ. Et vous êtes en route. And you're on your way. Ça vous est égal. Doesn't mean anything to you. C'est que le monde peut dire. What the world can say. Ah, mais qui écoute, hein? Mais qui écoute, you don't even know her. Qu'est-ce que ça va vous faire? What is it going to do you? Non, toi tu es un candidat. You're a candidate. Un pèlerin. A pilgrim. Au moins on écoute, hein? At that time. Non, même tes chutes. No, even your falls. C'est très important aussi. Are very important in God's eyes. Mais Dieu sait pourquoi il te laisse tomber. God knows why he parce qu'il veut se rapprocher because de toi. Because he want to come closer to you. Tu crois ça, frère? Do you believe that, brother? Yes, that's the truth. Ne perds pas ton temps pour parler de la vie de ton père. Tu perds vraiment le temps. Yes, yes, you're wasting your time. Parce que Dieu est en train de travailler. God is working in that his life. Yes. Yes, sir. Même sa chute là. Even it fall. Yes. C'est important. That's important. I believe that. Il est bien rentré au monde. He's going by the c'est way. Important. That's important. Yes. C'est la vérité. That's the complete truth. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est la part. That the share. Suffisante. Satisfying. C'est la portion qui remplit pleinement. That portion that affirms completely. Quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, tu es en paix. You are in peace. Tu es en joie. You're in a joy. Hein, sœur Sharon. Sister Sharon. Quand le Saint-Esprit est là, when the Holy Spirit is there, il n'y a plus de ligne 11 ici. There are no more line 11 here. Tout devient bien là. All becomes well. Yes. Dieu est en train de te masser un peu là. God is doing some massage in you. Le Saint-Esprit c'est la consolation. The Holy Spirit is the consolation. C'est la paix. That's the peace. C'est la joie. That's the joy. C'est le bonheur. That's the happiness. C'est la guérison. That's the healing. Yes, yes. C'est la consolation. That's the consolation. Yes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est le sceau. That's the seal. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est le guide. Is the guide. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est la puissance venant d'en haut. That's the power coming from up. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What is the Holy Spirit? C'est le repos. That the rest. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est Christ en vous. It's Christ in you. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est le consolateur. That's the comforter. C'est ton avocat. That's your attorney. My attorney, Jesus.
even those insults. I'm going to look at Jesus. My attorney, Jesus. He's your attorney. Brother Elijah. Réjouis-toi ce soir. Yes. You have an attorney. Yes, yes. Tu as quelqu'un qui parle pour toi. Yes, somebody talking on et your behalf. Et ce quelqu'un-là parle bien. And that one talks well. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. His name is Lord Jesus Christ. Même quand les gens font des complots contre toi. I make plans against you. Tu as quelqu'un qui parle pour toi. Yes, somebody talking for you. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. His name is Lord Jesus. Et c'est que le Saint-Esprit. What is the Holy Spirit? C'est ton bouclier. Is your shield. C'est ton rocher. That's your rock, yes. C'est le rocher, c'est ta forteresse. That's your stronghold. He is your rock, he is your shield. Il est ton rocher, il est ton bouclier. Il est ton bouclier. He is your shield. Peu importe les attaques. Doesn't matter the attacks. Il sera là. He's gonna be there. Peu importe les flèches et les flèches. Il va se lever. He's gonna stay. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est celui qui se lève le dernier. That rises the last. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le rocher. That's the rock. Yes. Yes. Le rocher qui me soutient. The rock supporting me. Yes. Yes. C'est ma force. That's my strength. C'est ma réponse. That's my answer. Yes. C'est ma consolation. Oh, that's my consolation. Yes. Yes. C'est le témoin. That's the witness. Yes. C'est le guide. That's the guide. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est ma force. That's my strength. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? What's the Holy Spirit? C'est mon soutien. That's my backup. Mon soutien. My backup. Mon soutien. My backup roof. C'est mon soutien. That's my backup. Quand tout marche pas. When all is done. Il est un soutien. Il est un backup. Il ne te laissera jamais. He will never let you. Il est ton soutien. He's your backup. Dans ce que le Saint-Esprit. What's the Holy Spirit? C'est ton père. That's your father. C'est ton intelligence. That's your intelligence. C'est ta sagesse. That's your wisdom. C'est ton roi. That's your king. C'est le tout pour toi. That's all for you. Vous croyez à ça? Do you believe that? Dans ce que le Saint-Esprit. What's the Holy Spirit? C'est ton conseiller. That's your advice. Yes, counselor. C'est ton conseiller. He's your counselor. Tu veux te marier? You want to get married? C'est lui qui doit te conseiller. He's the one that has to counsel. Vous avez vraiment dit? That's il faut d'abord le Saint-Esprit. You need the Holy Spirit first. C'est le Saint-Esprit qui te dira. Let the Holy Spirit tell you. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Go left, left, left. À droite, à droite, à droite. Right, 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 right. Allez, restez là, restez là. Now stay there. C'est le Saint-Esprit. Let the Holy Spirit. Sans le Saint-Esprit. Let the Holy Spirit. Tu feras naufrage. You're gonna have a wreck. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la boussole. That's the compass. C'est lui qui te guide. The one guiding you. Va à gauche. Go left. À l'est. East. Tu as besoin de l'onction, l'onction, l'onction. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ton GPS. That's your GPS. C'est ton consolateur. That's c'est ton intelligence. That's intelligence. Yes. C'est ta sagesse. That's your wisdom. Je peux m'arrêter là? Can I stop there? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il est le tout en tout. He's the all in all. Il est notre sauveur irremplaçable. He's our irrepressible le mari capable. The capable husband. Le rocher des âges. The rock of ages. Le Père éternel. The everlasting le Father. Le Père. The Prince of Peace. Le Consolateur. The Comforter. La paix. The Peace. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Shama. Jehovah Shama. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. C'est ça le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Thank you, Lord. Tu as retenu quelque chose? Did you retain or keep something in your mind? On va chanter quelque chose. We shall sing something. Venez jouer et on va prier. Come on, play something and then we will pray. Oui, je vais prier. I will pray. Vous-même aussi, vous allez prier. You too, you're going to pray. Amen. Amen. Tu as saisi? Did you get it? Tu as compris? Did you get it? Le Saint-Esprit est ici. The Holy Spirit is here. Il n'est pas loin de toi. He's not far from you, no. Il est très proche de toi. Very close to you. Le Saint-Esprit peut faire ce que tu lui demandes. The Holy Spirit can do what you're asking him. Parce qu'il a dit. Because he said. Il ne peut rien faire. Cannot do anything. À moins que toi tu le confesses premier. Unless you confess it first. Tu peux renier à la lourdeur. You can deny the heaviness. Tu peux renier au raisonnement. You can deny the reasonings. Et demander à Dieu de venir à and toi. And ask to God to come to you. Le Saint-Esprit est vrai. The Holy Spirit is real. S'il n'était pas vrai, je n'allais pas le prêcher. I wouldn't preach him. Je prêchais le Saint-Esprit parce qu'il est vrai. The Holy Spirit because it's real. Vous l'avez vu ici avant de commencer. Seen him before starting. Et comme je finis, il est là. As I'm done, he's here. Moi, je ne peux pas le forcer d'entrer en quelqu'un. Cannot force him to get into somebody. Je ne peux pas non plus te forcer. Cannot force you as well. Mais il connaît la sincérité de ton cœur. He knows your heart sincerity. C'est à quoi tu t'attends. What you expect. C'est ce que tu recevras. That's what you get. Amen.
Amen. Amen. Si tu veux Dieu, if you want God, Dieu va entrer en toi. God will get in you. Amen. Amen. Si tu veux le consolateur, if you want a comforter, le consolateur est là. The comforter is there. Amen. Amen. Ça dépend de ce que toi-même tu veux. It's up to what you want. Ça Amen. Dépend de ta confession. Up to your confession. Amen. Ne t'habitue pas à ceci. Don't get used to that. No. Dieu est réel. God is real. Yes, He is. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit is real. Yes. Pourquoi tu veux attendre le dimanche? Why do you want to wait for Sunday? Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Yes. Aujourd'hui Dieu peut faire quelque Today chose. Today God can do something. I believe that. Aujourd'hui tu peux rentrer avec la présence. Today you can go back with God's presence. Aujourd'hui le Saint-Esprit peut entrer en toi. The Holy Spirit can get into you. Je le crois. I believe it. Me too. C'est ma foi. Moi. That's my faith. Yes. Je crois que Dieu peut faire quelque believe chose. God can do something. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est vrai. The Holy Spirit is real. Yes, He is. Nous ne parlons pas d'un Dieu historique. We're not talking about a historical God. Nous parlons d'un Dieu réel. Talking about a real God. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Si tu peux simplement ouvrir ton cœur. And just open up your heart. Le Saint-Esprit va entrer. The Holy Spirit will step in. Si tu peux lui demander pardon. You can ask Him forgiveness. Pour les choses pour lesquelles Dieu t'a reproché. God has rebuked you. Il va te pardonner. He's going to forgive you. Il est ton avocat. He is your attorney. Il va te pardonner. He's going to forgive you. Il va te redonner ton onction. He's going to give you back your anointing. Je le sens comme je vous parle. Feel Him the way I'm talking to you. Je sens que Jésus est là. I feel that Jesus is here. Je vous dis simplement la vérité. Just telling you the truth. Ne rentrez pas main vide. Don't go back with your hand. Ne rentrez pas sans rien recevoir. Don't go back without receiving anything. Il m'avait dit. He told me. Qu'il allait être ici aujourd'hui. He'd be here today. Et je le crois. And I believe it. Qu'il est ici. He's here. Yes. Je crois. I believe que Jésus peut faire quelque chose. That Jesus can do something. Oubliez que c'est moi qui te parle. Forget I'm the one talking to you. Représente Jésus devant toi. Represent the same Jesus in front of you. Il est en train de te parler. He's talking to you. Toi qui as besoin de lui. You that need Him. Toi qui as besoin de la consolation. You that need the consolation. Ouvre ton cœur à Jésus. Open up your heart to Jesus. Ouvre ton cœur. Open up your heart. Demande-lui d'abord pardon. Ask Him forgiveness first. Pour les choses pour lesquelles il t'a réprimandé. For the things that He has rebuked you for. Que le Saint-Esprit est là. I'm telling you the Holy Spirit is si here. Tu peux me croire. You can believe me. Que je suis son serviteur. And I'm His servant. Croyez que je te dis la vérité. Believe I'm telling you the truth. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is there. Un jour s'est levé. Parle à Dieu.
Yes.
Dieu. Recevez la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Recevez l'onction de Dieu. Recevez la présence de Dieu. Au nom de Jésus.
Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton onction. Reçois la gloire. Reçois les acclamations. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les remplissages. Merci pour ce que tu l'as fait. Sois élevé, Père. Sois glorifié. Sois acclamé, les bons rois. Alléluia. 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 Ce que tu sens là, c'est Dieu. Cette fraîcheur là, c'est Dieu. Alléluia. Cette chaleur là, c'est Dieu. Il a envie de le consumer. Il a envie de le faire partout. Je le vois partout dans la salle. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton onction. Merci parce que tu l'as fait. Spécialement pour ceux qui sont venus au loin. J'ai pu bourrer, oh Dieu. Ils ont payé leur billet, Seigneur. Ils n'étaient pas venus passer leur temps. Ils sont venus te rencontrer. Père, t'es aujourd'hui même qu'ils ne rentrent pas vite, Seigneur. Aujourd'hui même que l'onction de Dieu les saisisse. Que tu entres dans chaque année. Que tu rentres avec eux, Père. Seigneur, j'ai dit aujourd'hui, Seigneur, tu me l'avais promis, Père, que tu allais le faire aujourd'hui, Seigneur. J'ai pris pour la délivrance. Ce qui est devenu posséder, Père, je l'ai délivré de tous les démons, de la colère, de Marie de lui, de la soumission, de la haine, de la querelle. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Toi, démon de la sorcellerie, je suis fâché contre toi. J'ai ton nom de quitter cette salle. Sorcellerie, sortez de cette église. Au nom de Jésus, allez dans les Lézarides. Père, je proclame leur délivrance. Père, je délivre tes enfants. Père, je les remplis de toi. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Que le malade soit guéri maintenant, Père. Peu importe leur maladie, je les déclare guéri en vertu de l'autorité que tu m'as donnée. Au nom de Jésus, toi, maladie des cataractes, maladie des nerfs, maladie des yeux, maladie des femmes, de mon esprit de lion, de mon défi blanc. Maladie règle et douloureux. Au nom de Jésus, sortez de cette église. Stérilité, stérilité, des mots de querelle, des mots de incompréhension, des mots de incompréhension. Au nom de Jésus, des mots de raisonnement. Au nom de Jésus, sortez de la salle. Des soucis, des mots de soucis, des mots de soucis, des mots de soucis. Au nom de Jésus, sortez de la salle. Vous tous les démons qui faisaient pleurer les enfants de Dieu, votre travail est terminé. Je vous entends. Au nom de Jésus, stérilité, célibat, péché, incrédulité. Au nom de Jésus,
Sortez de là ça. Seigneur, ils sont à toi. Ils sont à toi, Père. Ils sont à toi. Ils sont préparés pour les feux. Ils sont préparés pour les remplissages. Papa, descends maintenant. Entre en eux au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, il a fait. Dieu t'a donné la victoire. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Dieu t'a donné cet temps pour lequel Dieu est venu chercher. Que Seigneur salue. Seigneur, je te loue. Je te glorifie. Je te lève. Parce que tu l'as fait. Le seul la gloire. Le seul honneur. Laissez les acclamations, laissez la louange, parce que tu es plus à recevoir, laissez nos cris de joie, de maintenant à jamais, au nom qui dépasse tous les noms, le nom glorieux, le nom précieux, le nom puissant du Seigneur Jésus. J'en supplie avec foi. Amen. Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un puisse écrire des gens de toi. Alléluia.